Ah là ici c'est rose. Là, c'est là-bas, c'est là-bas. Gimme hate. Là on est bien là. Là on est bien. Voilà. Okay. Là là ça bug pas ici, c'est carré. Okay. Vas-y. Ici ça m'a l'air pas mal ici. Là. Ouais c'est dedans là, ils sont là. Ah merde. D'habitude je fais pas de piscine. Même moi je peux pas bien reprendre. Pourquoi la co elle fait que tomber comme ça frère? Attends. Ouais, c'est un point de vue bizarre. Ouais elle ça monte au max et ça redescend d'un coup genre. Là c'est bon, là c'est à 4000 genre. Bon j'espère que là ça va plus bouger. Ouais même moi frère. Donc on va commencer par débuter couché. Tu veux me faire un partage ou quoi? Donc un peu de vin, on va voir ce que ça donne. Vas-y les gars, attendez, je vais juste faire un partage vite fait avec Shinny. Comme ça, il y aura une double co, genre si ma co aussi. C'est quoi vos noms, vous les gars? Alexis et toi, du coup? Hakim. Ok. Vas-y, attendez juste, il va me faire un partage de co, j'arrive. Ok. Bon. Est-ce que c'est bon? T'es sûr que ça, c'est bien lancé, là? Ouais, là, c'est vert, ok. Ah, c'est bon, c'est vert. Là. Comment? Ouais, ça a l'air d'être bon, en fait ça baisse, ça monte. Même là. Ouais, là c'est bon. Autant sinon mon téléphone, je le cache dans un endroit, je laisse tout à côté de la fenêtre et toi tu te balades où tu veux, frère. Ah ouais? Ah, mais tiens, j'ai un trépied fixe. Ouais, mais j'en ai un là, regarde. Ah, il s'ouvre aussi? Ouais. Arrête, ok, vas-y, là c'est bon, on est posé. C'est ça que je veux dire. Grand, là c'est bon, on est posé. C'est bon? Vas-y. C'est bon. Du coup, vous voulez qu'on fasse quoi? Séance haut du corps? Ouais, haut du corps. Ouais, haut du corps. Vas-y. Allez. On fait développé couché. Commence PC, vas-y. Comment, on va commencer par le PC. C'est parti. Vas-y. Ouais, échauffement. Hein. Moi, je connais échauffement. Bon, t'as l'habitude. Échauffement. Des poules. On va pas prendre 15 ans. Tu vas apprendre. Juste les poignets, faut bien les échauffer. Bon, les gars, développé couché. Mouvement essentiel pour développer justement la phase supérieur du corps, donc ça soit au niveau des pectoraux, les épaules ainsi que les triceps. Mmh. Essentiel de bien s'échauffer pour commencer. Pourquoi? C'est un mouvement qui est très traumatisant. Donc il faut faire attention par exemple au niveau des charges qu'on va utiliser dès la montée de gamme, donc l'échauffement. Donc là en l'occurrence on va commencer barre à vide pour s'échauffer petit à petit. Et avant ça on va commencer par des flexions de poignets, flexions de coudes, etc. pour lubrifier les articulations et qu'on soit en condition pour bien commencer. Mmh. Donc j'espère que vous êtes parés, les gars, parce qu'on va charger et lubrifier. Oh là là, j'ai peur. Ouais, j'ai bossé, mais là, je suis pas là. Je travaille là. Oh, ça devrait aller. Et sans qui? Non, on a plus d'avis. Vas-y, un bar à vide. Attends, tu as pris là, ça va ou pas? Ouais, j'ai pris, c'est Alex qui est là. Ouais. Il faut respecter le matériel, donc on met une petite serviette comme hein ça. Ouais. Ouais, je vais prendre le trépied, je pense. Hein. Parce que comme ça, t'as vu, on est tous les trois là, on peut le poser, les gens ils nous voient. Tu vois. Vas-y, comme on est quatre, on va rester un peu sur cet exercice, je pense. Ouais. Aussi, tu vois, parce que là, par exemple, il y en a un qui doit filmer, moi je peux pas forcément parler, Alexis il doit s'échauffer. C'est-à-dire, je prends le trépied, comme ça on a juste à le poser là et on est là, quoi, tu vois, on va être là. Vas-y, je vais prendre le c'est pas posé, chauffe-toi aussi Alexis. Hein? Chauffe-toi aussi. Hein. Ouais, mais là, je filme le cœur. Oh. T'es bon, hein, putain? Ouh. Light skin. Oh. Moi, je fais une tête de fou quand je suis à la salle. Hein. Très bien. Félicitations, bravo. Félicitations, congratulations. Vas-y, à toi. Fais des flexions de coude, poignet, tout ça. Mmh. Moi je veux pas pousser lourd, hein. Je joue très bien. Hein. Non plus, hein. Mais, tu me rassais moi. Ouais, peut-être. J'ai jamais la barre, moi. Peut-être 140. Moi j'ai jamais fait la barre. Hein. Je fais cause à terre. T'inquiète, ça fait 7 mois que j'ai pas fait développer couché. Je pense que j'en passe même pas une à 75. Ouais, 60, je pense que c'est mort. Moi, pour ça, je suis pas là pour trouver moi. Je suis en désordre. Ah, moi non plus. En, détente, en plus, les gars, dimanche, j'ai un truc. Je vous dirai demain ce que c'est. Je vous dirai demain ce que c'est. Mais ça veut dire qu'il faut pas que je me blesse ou quoi d'ici dimanche. Oh, ma friend, je t'ai dit. Ah, là, là, là. Ah, là, là. I got a raid, Charles. Bonsoir, bonsoir.
Là c'est bon les gars, la co elle est bien ou pas? Tapez 1 si elle est bien. C'est carré là, non? Voilà, c'est carré là. Bon, elle est pas incroyable la co, mais elle est... Elle... Je pense que ça tient, le live tient quoi. Tient. Ah bon, on va pas trop lire le chat du moment qu'ils voient sans trop de bugs, carrément. Ouais. Bon, il y, y a un décalage. Je sais pas, genre peut-être 5 secondes, un truc comme ça. Mais parce que la quoi, elle a trop bugué en fait. Après, parce que t'as trop relancé. Ouais, c'est relancé. Make me swear, make me wanna. Make me lose my breath. Make Arrête me... de me coller là. Quoi? Je sais pas, tu te mets par-dessus moi, là, reste là, reste loin, frère. T'es trop proche là, mon. Ouais. Excusez-moi les gars. Bon travail. Ok. Les gars, c'est quoi votre record au bench press dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens chauds? Est-ce qu'il y a des gens de la salle? Wesh. Ah bon? Comment il fait? What the fuck? What? 90, ok, bon, t'es bon, 90, ok. Moi je suis nul à chier. Hein. C'est dur. Hein. Chili, c'est champion. Hein. Et bon, aucune blessure. Je pense que là c'est. Je pense que j'en passe même pas une à 60. Hein. C'est dur. Hein. C'est pas ça la muscu pour moi. De quoi? Je crois que j'en passe même pas une à 60. Hein. Non, tu mens. C'est dur, non. 60 c'est facile. Je crois que je le fais jamais fait là-bas. Ouais, mais même. Ah ouais, bah en vrai, échauffe-toi et après essaye. Moi j'aime pas là-bas. Ah ouais? Pourquoi? Bah en fait je trouve que sur quand t'es en mouvement comment dire en fait alter t'es plus libre tes mouvements. Ouais je vois ce que tu veux dire. Alors que là c'est une barre, c'est rigide, c'est affreux quoi là, tu vois. Pour les alter, bam bam c'est mieux je trouve. Allez. Vraiment, c'est bien dit ça. Allez, on 3, let's go. Moi je sais pas, juste j'aime bien, voilà c'est tout. J'aime c'est bien. C'est populaire hein, c'est le classique. Ouais moi j'aime bien. Les mecs qui sont jamais allés à la salle, ils savent c'est quoi développé boucher. C'est vrai ça. Boum, sort bien les pecs là, j'adore ça. Ah oui, il faut. Ah oui, oui. Abaisse les omoplates, c'est bon. C'est bien. Moi, je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire moi? Tu vas faire quoi? Je sais pas. En fait, je sais pas combien de kilos je vais faire. J'ai envie de faire. Ça pourra, ça va les gars, je pense, je suis excité de fou. Vas-y. Vincent, venez. Petit échauffement. Ouf. Ouf. What? Ouf. Ouf. What the fuck? Dis non. T'as pas pensé à la vidéo du mec qui était centré et qui faisait pouf. Et ils t'ont partagé. Ouais, ouais. Ah, t'as allé chercher ton trépied? Ouais. C'est mieux. Vas-y, tu. Ah ouais, il est pas de bon. Sors le tel. Oui, mets-le dedans. Comme ça. Ouais, fais attention. J'ai juste baissé le son, mais ça, tu me dis s'il y a un souci. Normalement, c'est bon. Voilà, on peut faire. On peut voir ton placement. Parce que si t'as réussi à te baisser, c'est fini. Il y a un an, t'inquiète, il est nickel. Ah ouais, tu trouves ça? Non, super. T'as peur? Non, ça va aller, ouais. Allez, chini, allez, chini. Vas-y à toi, Alexis. Alexis, peut-être toi, vu que tu fais jamais le mouvement, peut-être.
C'est super important, c'est vraiment la base. Tu baisses les épaules, tu vas baisser. Bien sûr, faut vraiment regarder. Donc les gars, le chat, ce qui est super important sur le développé couché, c'est les deux crochets ici. Donc sur la barre en général. Non, mais t'inquiète, je le rapproche. Donc les gars, ce qui est important au développé couché, c'est les crochets. Donc vous allez voir, en général, dans vos salles de fitness, il y aura soit un crochet, soit le deuxième. Donc ce qui est important justement, c'est le crochet vers l'extérieur. Ce sera toujours le premier crochet et que le deuxième crochet intérieur, c'est en général selon les barres. Mais ce sera toujours celui-ci qui sera à l'extérieur. Ce qui est essentiel, c'est de voir au niveau du placement et de la physionomie de chacun, l'aisance qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire justement, c'est se placer tranquillement. Donc Alexis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un doigt. Donc je vais te conseiller le deuxième doigt, celui-ci. Ouais. Tu vas mettre celui-ci sur le premier crochet. Là, sur le premier crochet, voilà, juste ici, tu mets pareil sur l'autre. Voilà, super. Et donc, au final, le fait de mettre son deuxième doigt sur le premier crochet, son dernier doigt, donc le petit doigt, il va finir automatiquement sur le dernier. Donc, le deuxième, c'est vraiment celui qui est là-bas. Ouais. Et de voir si tu te sens à l'aise. Donc, ce que tu vas faire, c'est vraiment rentrer tes épaules. Donc, vraiment rentre tes épaules à l'intérieur. Prends le temps, rentre tes épaules. Voilà, c'est bien. Une fois que tu as les épaules rentrées, ouais, c'est vraiment que les pecs qui seront engagés. Ça veut dire, là, tu peux sortir la barre et tu me dis si tu te sens à l'aise. Là, est-ce que tu es bien là? Okay, très bien. Allez, deuxième, c'est parti. Voilà, 3. Ok, 4. 5. Ok. Allez, 6. C'est bien. Allez, 7 et 8. 7, dernière. Et 8. Super. Impeccable. Impeccable. Excellent. Donc voilà les gars, ce qui est important justement à développer couché, c'est de prendre son temps. C'est un mouvement qui est très demandant nerveusement. Et mécaniquement, donc c'est important justement de bien mettre en place la technique dès les premières barres de chauffe, parce que quand on va monter en kilos, c'est là que justement il faut être le plus échauffé pour éviter la blessure. Merci les gars, merci, c'est un effort. Ça fait un peu de temps. Vraiment, je pense que j'ai pas 60, mais là j'ai pas 60. Mais là, carrément, je suis, ouais, c'est lourd. Franchement, 20, hein. Je vais mettre 20, ouais, franchement, hein. Le cœur, il fait 8 avant. Je sais pas, moi je pense que c'est mieux, il fasse genre au moins 5. On va mettre 5 aujourd'hui. On va mettre 5 parce que c'est vrai qu'il a l'habitude de faire 20, mais comme chacun va monter avec 5. Il y a un 5 là chez nous. Là tu veux genre t'en fais 5. Tu te rapproches de ta charge. Moins on baisse le nombre de lèvres, exactement. T'es branché, j'ai fait avec un coach. Allez, c'est parti, on rentre les épaules, on se place bien au niveau du placement, on prend notre temps. Allez, 1, ok, 2, allez, 3, 4, et 5, bien. Non. Le flexeur, il est obligé. Le gourmand, les gars, je crois que ça peut pas raconter une des trop, non, mon gars. Les gourmands. Allez, les gourmands, les gars, il va s'étouffer à 80 après. Ça, non, non, c'est 80, je n'ai pas le choix. Ça sera tout. Non mais je te jure, en fait, quand, là on va pas faire un max. J'ai pas envie de faire de max aujourd'hui. On va pas faire un max, mais on va se retrouver quand même sur un petit travail. Ouais. Ah parce que dimanche j'ai un truc trop important, je vais me lever ça. Ça vole, hein. Chini, ça vole. Hein. C'est voilà. Facile. 7. Allez, à toi, lui. Ah, je stresse. Ah, j'ai peur. Comme tout à l'heure, Alexis. Tu vis 100 kills, hein, Akib, en vrai. Non. Je pense que c'est mental. Pour retourner la 100 kills. Ça fait 7 mois que je suis pas allé sur mon dos. Là, c'est la première fois que tu repouches. 7 mois. Pour moi, t'as un. Genre, vraiment, je pense que c'est des tests. Au vu de les ans, c'est ta technique, franchement, pour moi. Décembre 2023, je suis pas touché. Okay. Comme tout à l'heure, Alexis, on prend son temps. C'est parti. Allez. Ok, une. Parfait. Allez, deuxième. Ok, 3. Allez, 4 et 5. Allez, vitesse. Ouais, facile. Wesh, Alexis, carré, hein. Facile. 50, franchement. Ça vole. Donc les gars, ce qui est essentiel, donc c'est ce que je leur montre un petit peu lors de cette séance, et le principe de l'échauffement, c'est vraiment essentiel de mettre un maximum de vitesse. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de réveiller le système nerveux et ça permettra justement sur les charges plus lourdes d'être prêt et d'être tout simplement en place, tout simplement. Donc c'est vraiment essentiel dès les barres de chauffe de mettre... C'est Alexis, je pense. Quoi? Vitesse. Ah ouais. Ouais, de mettre un maximum de vitesse, les gars, c'est important. Il faut 2-10. Et où la bouteille, Melchior? Tu vois? J'ai perdu la bouteille. En fait, j'ai bu un peu tout à l'heure, mais peut-être on l'a laissé là-bas. En place.
Le gars, c'est dur, hein, le bench. Dur. Il est parti chercher des kilos. Chini, il fait 130 kilos. Non, pas tranquille, mais il l'a fait. De quoi? La barre, elle fait 20 kilos. Ouais. Barre, ouais, la barre, elle fait 20 kilos. 10, ça fait 50. Oh non, il y avait 10, 10, 40 et il y avait 5, 5. 15, 40. Ah, je peux pas y partir. Attends, je vais essayer de chercher. Vas-y. Le rack là derrière là, tu vois les bancales. On va tomber à la barre. Oulala. Adieu. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a peut-être des questions dans le chat. Le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Mais en vrai, on peut faire la séance tranquille et à la fin, on prendra au pire. Ouais, au pire. Il est quelle heure là? Enfin, il y a combien de parts de batterie? J'ai oublié de sortir la batterie externe de mon tel. Enfin, de mon. C'est dans ton sac? Ouais. S'il n'y a pas trop de batterie, genre 20%, on ira la chercher. Vas-y. J'en fais combien? 3? Ouais. Il les a passés, le mec, genre. Allez, c'est parti. Prends ton temps. Rentre tes épaules, une fois que t'es prêt, on y va. Allez. Les gars, la dernière, j'ai trop une pété, j'ai l'impression que je vais acheter. Allez, une, plus vite. Allez, deuxième. Allez, dernière, 3. Ouais, c'est facile. Je vais te parler avec les gars. T'as qui, c'est à moi? Ah, j'ai une. Allez, c'est à moi. Ouais. Tu sais là, j'ai pris le niveau des temps, quand j'ai pris les comparaisons là, entre le 25 mai et là, genre le dunker j'avais ça, ouais. Donc là, en détente. Et genre le dunker que j'ai pris là, c'est en courant, full ouais. Vitesse, et là c'est en prenant juste ça. Donc, je pense, ouais. Là, ouais, alors, j'ai vraiment pris du chaud. Ça progresse. Ah putain, t'es parti en bas chercher un truc. Allez, c'est parti. Vitesse, concentration, bien les épaules. Allez, on y go. Boum, allez, une. Ouais, ça vole. Allez, deuxième. Ouais. Boum. Facile, hein. Facile. Pareil. Moi, je vais. Là, aujourd'hui, je suis plus fatigué que d'habitude. Je vais faire 70. Tu sais très bien. Mais tous les jours au basket tout ça. Moi je suis fatigué. Moi je vais commencer à mettre des trucs autour là. Trop énergivore. Ouais, c'est bon là sur le premier anneau. Mon coach est winner, ouais. Voilà, parfait. Allez, 3. La vitesse Alexis, tu fais 3 répétitions seulement. On est en place. Allez, c'est parti. Concentré, motivé surtout. On est au niveau. Maîtrise ta barre. Allez, c'est parti. Allez Alexis. Allez, vitesse. Facile. Allez, plus, allez, deuxième. Plus vite. Voilà. Allez, troisième. Plus fort. Voilà. Waouh. T'as pas un peu mal à ton poignet Bah moi j'ai tout le temps le poignet tendu. Ouais. Toujours mon poignet. Franchement ça va. Ça arrange avec le temps, mais là, François, c'est bien les premières fois. C'est beaucoup. Moi 70 Parti. Merci les gars, merci. J'ai un 5, ouais, faut prendre des petits temps de repos. Voilà, moi j'ai pris chrono. En fait, plus les charges augmentent, plus le temps de repos augmente forcément. Donc le nerf, oui, puisque tu l'arrives à 70. Déjà, je suis pas dans cette mentalité. C'est gros, c'est ce que j'allais dire. Il ne doit pas avoir cette mentalité que moi et il le sait. Cette mentalité là, il doit pas l'avoir ici. C'est parce qu'on est en live. Vous ne calculez pas, les gars. Je peux être surpris. Hein. Qui sait qui va la passer?
Bien sûr, il y a de la passe. En général, si tu fais 3 fois 3, 60. Sur tous les appareils de cardio, ainsi qu'au sol, sur les tapis et les bancs. Par contre, tu me disais ça suffit 3 fois 60, tu peux faire 1 à 60. Ça dépend de chacun, dans le sens où il y en a nerveusement, ils sont plus forts sur une rep que 3 sur le triplé. Donc ça fait que tu peux faire par exemple 3 reps à 70 et avoir un rep à 70. Ça dépend vraiment, mais ouais, dans l'ensemble, c'est ça. Les gars, la passe ou pas? Bien sûr que tu la passes. Tu la passe facile. Les gars, écoutez pas, c'est parce qu'on est en live, il va la passer. Récupère ton souffle. C'est quoi ton max, ce chien? 90. 90, c'est 90 au max. Il ment. De quoi? Je te jure, c'est 90. Là, tu c'était, vois, c'était. Non, mais c'était, il y a un match. Moi, je suis garanti. Hein. Si tu veux, on essaye. Je suis là, moi, je suis garanti. Je t'en fais pas du tout. Moi, ça me tâche, je fais pas. Mais la dernière fois que je me suis allé au DC, c'était en décembre 2023. Ouais, mais depuis, t'as surtout depuis que t'as fait les pecs, depuis que t'as fait les biceps. Ouais. Forcément, t'as dû augmenter. En plus, ta technique, elle s'est améliorée. Forcément, tu te retrouves avec. Ça sera plus difficile. Je sais pas. Ouais. Franchement, arrête. Je sais pas. Ok, allez, c'est parti. Franchement, je suis refait 90. Hein. Regardez celui-là. Je sais pas, ok. Allez, prends ton temps, tu places bien les épaules. Je prends un peu de temps. Non, clean les gars. Mais moi je l'ai fait avec. Il y a un mois et demi, on a essayé. Mon max c'était 75. 80, je l'ai pas fait. Voilà. Mais là, juste aujourd'hui, je me sens fatigué. Si on avait passé 75. Ouais, c'était. Non, on a passé 75 et 80. T'avais pas échoué à 85. Pour moi, t'as passé 80, t'as échoué à 80. Non, j'ai pas passé 80. T'es sûr? Je pense pas que j'ai passé 80. Je me rappelle, je t'ai mis des. Non, mais tu faisais des photos sans que je regarde. Mais je pense que c'est 75. Puis c'est pas nous qui avons les rushs. Pour moi, t'as. Non, moi, c'est... pour moi, t'avais passé 80. Je pense que t'avais mis. Moi, je me rappelle, il y avait 3x10. Après, moi, j'étais petit, t'avais fait 3x10 et un petit. Okay. C'est là que t'avais fait. Bon, je sais pas. Pour moi, t'avais fait. C'est 175 sur 80. Ouais. Le max. Il fait plus que 3 rêves à 60. Oui, j'en fais plus. Mais là, on se limite pour avoir. La force. Pour garder de l'énergie. Allez, fini. C'est là. 70. Allez, c'est parti. Du coup, vous êtes quoi, vous, les gars? Vous êtes des streamers aussi, du coup? Moi, je suis sur YouTube et la chenille, ouais, c'est vrai. Ok. Allez, c'est parti. Bah, c'est là, chenille. Vitesse. Allez, easy. On en fait 3, 1. Ah, la musique. Même moi je suis étonné, par contre, vraiment de nos flex. Ah ben elle vole là. Parce que je pensais que nerveusement, à 50, mon cerveau d'aller oublier les flex. À 50 j'ai vu. T'as 100 kilos. Ah oui. Tu vas voir, hein. Bah parce qu'en plus, la perception des charges, j'arrive à voir. Tu voudrais aller essayer de la passer aujourd'hui, finir la 100 kilos, non? La quoi? 100 kilos, tu voudrais tenter, non? Tu peux tenter? Pourquoi pas aujourd'hui? Juste en fais une. En fait, nerveusement, je me sens pas. Je sais pas comment expliquer. Non mais. Genre, j'ai l'impression que mon corps il a oublié un peu. Même si tu vois, genre, là c'est levé facilement. Je sens que t'as vu, genre, mes bras ils tremblent un peu. Genre, alors qu'avant ils tremblaient pas à ce moment-là. Genre, mon cerveau, nerveusement, il y a une petite pause. Voilà, c'est Alexis, il est en mode, j'ai oublié l'exercice. Ouais, moi je pense que Alexis, on est à peu près au même niveau. Même lui, peut-être plus fort que moi. Un peu, ouais. Ce n'est pas normal pour ton poids. Alexis. Allez, Alexis. Justement, c'est prévu, on arrangera tout ça ensemble. Allez, c'est parti, Alexis. Vitesse. On prend notre temps, hein. On prend notre temps, comme tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Allez, une facile, facile. Ah merde. Allez, 3, 2, 1. Ah là là. Dur, hein. C'est pas ça la muscu, hein. C'est bien déjà, ouais. Elle est là. Mais c'est qu'il y en a pour faire 3x60. Alexis. Allez. Pour que. Tu sais que. 75. Non, 80. C'est comment il aura fallu 6 mois pour arriver à 60. Ouais. 6 mois. 77. J'aime pas le bête, je trouve ça. Genre, franchement, la vérité. J'aime pas cet exo. Arrêtez de vous moquer. J'aime pas le bête. Se moque, la vérité dans le chat. Big W pour Alexis. Les gens, ils savent. Ceux qui savaient pas soulever la barre à 20 kg comme moi, je pourrais sauver la vérité, j'ai rien à dire. Non, moi, Big W. C'est trop bien. J'ai passé 6 mois pour passer ta barre. J'étais fou. Le demi, ça ressemble à ça. Et tu prends un petit en 25 kg. C'était sec et tout, t'es fin, t'es pas comme si t'étais massif. Merci les gars, gros bisous. Du coup, ça va faire 75.
En plus, ce nuit blanche, je savais pas ce qu'il a fait cette nuit. Ah, ce nuit blanche. Je savais pas ce qu'il a fait cette nuit. Les gars, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est la nuit blanche à table. Hein. Ah, c'est fini, vous m'égueulez. Hein. La prochaine. Hein. Moi, je suis blessé, je suis rincé, moi, les mouvements de poussée, ah, je suis rincé. Ah, j'ai pas dit. Attends, vous savez d'où? Il a montré hier. J'ai montré quoi hier? Non, mais j'ai rien montré, je pense. Ah, non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est la technique du bluffage. Genre, on m'a donné au courant. Ils savent rien. Vous allez jamais savoir, les gars. C'est passé des trucs. Des 2v2, des 2v2 inquiétants. Oh là là. C'est bizarre, je pensais que c'était une légende, mais j'ai l'impression que les poids de fitness sont plus légers que ceux de On Air. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre un peu la sensation. C'est quoi ça? Peut-être, hein. Ah, je le poids, il est comment? Non, mais en fait, c'est au niveau du cerveau, ils sont pas plus légers. Ouais, parce que c'est pas la même forme. Ouais, c'est pas la même forme et tout, c'est pas les mêmes trucs. C'est bizarre ce poids. Bon, là, je vais me donner ma vie, les gars. Vous avez pas de temps. Bon, à votre comment? Il y a une idée je vais aller. C'est quoi, c'est combien là? Du coup, là, c'est 60. Ouais. Donc, les gars, ce qui est important, ce qui est important, c'est de monter progressivement. Donc, en fonction justement du ressenti, là, on peut se retrouver à voir que Melchior il avait un ressenti mitigé à 70 kg. Donc, on peut pas faire le gap 70-80. C'est trop élevé. Et le gap 70-75, il est dans les coups. Donc, on arrive à trouver un petit entre-deux dans lequel on met 77,5 et dans lequel, en fonction de la vitesse qu'il aura à cette charge là, on mettra potentiellement 82 voire 85. Donc, on va voir. Il nous fait le Karim Benzema là. Je fais des invocations, c'est fou. Allez, on fait ça au cas où. Allez, c'est parti. Ah ouais, il fait tout. Il mélange tout, frère. Non, là, t'es pas dedans, là. Allez, on y go. 3, 2, 1. Allez, prends ton temps et t'es gainé sur tes bras. C'est parti. Allez, mec, allez, pousse. C'est pas grave, mec. Non, c'est bon. C'est bien. C'est bien. Mais là, tu travailles, même si t'as pas l'impression. En fait, la petite erreur, les gars, pourquoi elle est pas passée? C'est que quand j'ai sorti la barre, tu t'es retrouvé direct. Ouais. Direct, ça, j'ai toujours dit, quand tu prends la barre, tu stabilises. Donc, tu prends 1-2 secondes, t'as bien la barre sur les bras pour être prêt, et après, tu descends. Là, je te l'ai à peine donné que t'es direct descendu. Ça veut dire que ton corps était pas prêt. Donc, en fonction de ce ressenti, il va potentiellement repasser. Mais on va voir. Mais pour moi, il les a. Donc, on va voir pour la suite. Mais 80, moi, direct. 80 chenilles, 80. Je pense, vu comment elle est passée, la 70, je peux monter à 80, je pense. Ah, la volée. Moi, les gars, je pense que j'avais 110, mais j'avais trop envie de péter, en fait. Si je poussais trop, j'allais me chier dessus, je crois. Du coup, vous connaissez pour le train, là. Là, c'est 77,5, là. Les gars, je reviens 2 secondes. Et en bas, je vais le récupérer. Vas-y, moi. Là, Melchior, il a raté 77,5. Là, c'est 80 pour chenilles. Et en vrai, je l'avais tranquille, j'ai trop envie de chier, c'est tout. Non mais chenille, ils vont s'envoler les 80, vous allez voir. Vous allez voir, il fait le mec humble, voilà, bon, je suis pas développé couché, voilà. Il est bon, c'est comme ça. Par contre, si tu marches sous la barre, tu vas devoir... J'attends tranquille, là, je vais rester. Je dois résister par un mec qui pousse pas la barre. Easy pour lui. Voilà. Celui-là. Hein. Je vais mettre mon son là. Tu veux que je mette dans ma musique, ça c'est quand je vais passer des trucs que j'ai pas l'habitude de passer. C'est quoi la musique? Quand je mets ce son là, c'est pas pour rire. Hein. Aga. Tu veux la toilette, Alexis? Hein? Non, et pas du tout. T'as mon téléphone? Hey, j'ai pas envie d'être toilette, juste de... si je pète, Bélec, je me chie dessus. Je suis pas une chine. 80 kilos. Alexis, toi tu veux. Toi t'as pas passé sur mon 10. Non. Dommage, hein. Aide-moi au cas où. Je t'aide à sortir là-bas? Non. Allez, chine. Regardez, il fait le pontage et tout, c'est ce qu'il fait chinois. Pas un débutant chinois.
là 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 là. Touche pas. Voilà, chenille. Elle est belle dure, hein, mais elle est belle. Elle passe. J'allais pas toucher. Heureusement, tu l'as pas touché. J'allais pas toucher. En fait, j'ai senti qu'elle allait monter. Il me fallait juste un peu de temps, mais je le sentais qu'elle allait monter. Dur. C'est pour ça que je lui ai dit de pas toucher. Dur, mais elle passe. Dur, mais elle passe. W, W, W. Eh oui. Vrai DZ, hein. Vrai DZ, les gars. En vrai, le fait que t'as parlé, ça t'a fait perdre de l'énergie. Ouais, justement, parce que je pensais que t'allais la toucher. Non, alors que... J'ai eu peur. Il a passé 4 ans. Ah ouais. Allez, Raphaël. Raphaël, reviens tranquille. Raphaël, enchanté. T'as dit quoi? Ça va? Tu vas bien tranquille? Bon, elle est passée. Hein. Ah ouais, Kako? Elle est passée difficilement. Ah ouais? Elle est passée difficilement. Ah bon? Mais elle est passée en fait. Au moins, c'est une situation. Il était bloqué au milieu. Pour moi, c'est la trajectoire. Peut-être. Pour moi, c'est une question de trajectoire et pas de force. Parce qu'au vu justement des. Non, parce qu'elle a 70, il a passé trop bien. Ah oui, au vu de la vision qu'on a eue des charges précédentes. Je pense que c'est une habitude. C'est juste une... Là, j'ai dit, je vais la retenter de toute façon. Ouais. Je pense que c'est juste une question de. Donc, on peut monter dessus. Chacun monte un petit peu au niveau de la charge et de l'autre côté. Alexis, c'est à toi. Non, il va nous rejoindre sur le prochain exemple. Alexis, il peut retourner à 60, peut-être faire plus 3 fois. Ouais. Mais le cœur, il a fait moi, j'ai fait, moi, ça va. Ah ouais, mince. T'es mal, il veut pas. Oh punaise. Oh punaise. Allez, j'ai plus fort. Allez, je suis épuisé. Allez, Alexis. Je vais me mettre derrière Alexis. Bon, les gars, 3x3, donc format de force principalement, dans lequel justement Alexis va faire des reps à la claque. Donc, à la claque, qu'est-ce que c'est? C'est justement, il va faire une pause au début. 1, 2, et après, il remonte. Donc, ça, c'est essentiel pour maximiser la tension. C'est ce qu'il va faire juste ici. Donc, Alexis, ce qu'on va faire, c'est que, comme tout à l'heure, on va faire. Le développé couché classique, mais tu vas pas remonter directement. Ouais. Tu vas prendre une pause de 1-2, c'est moi qui compte 1-2. Ok. Allez, c'est parti. Ça va carrément. On va prendre des petits rushs. Mais tiens, mon bébé. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on y go. Allez, Alexis, allez, allez. 2. Allez, ça fait 1. Allez, deuxième. Allez, renfort, c'est parti. 1, 2. Allez, pousse, allez, pousse, allez, pousse, allez, pousse. Allez. Dernière, on y va. Dernière, allez, c'est parti. 1, 2, allez, tu te retrouves avec un max allant de 175 à 180. Putain. Eh ben, monsieur. Allez, ça fait une. Ouais, 180 au DC. Une, monsieur. Je pense que je vais jouer. J'ai envie de faire ça. Allez, la dernière. Une, deux. Allez, c'est parti. Ouais, bien. Ouais. Ça tue. Justement, là, je suis sur la dernière ligne droite. Donc là, je me retrouve avec un max à 177,5. Et les 4 plaques devant, c'est mon objectif. Tu fais du power principalement? Je faisais du power. Ah ouais. Je faisais des compétitions de powerlifting, donc en force athlétique. Je sais pas, tu vois, c'est où Uskov à Villepinte avec. C'était vraiment mes collègues, en gros, on était au même club. Ouais. Et justement, on s'entraînait ensemble. J'ai fait de la force pendant 3 ans. 2-3 ans, et franchement, c'était pas mal. J'ai commencé à 16 ans, j'ai fini à 19 ans à peu près. C'est tellement la clé, le polyarticulaire. C'est trop incroyable. Dire, franchement, ouais. Les exos comme ça, c'est une dinguerie. Donc, ça veut dire, franchement, ouais, c'était vraiment développé. Tension. Ça veut dire que quand tu fais la plaque, ta tension continue en fait. Là, t'es en train de contrôler ta charge. C'est vraiment ça qui fait des ennemis. Ouais, c'est ça que c'était un peu dur. Mais je te fais con. Parce que, en fait, j'ai fait ça. Au lieu de faire ça, ouais. Je vais. Je suis encore plus tué, genre. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que je l'avais la dernière, je sais pas ce que tu veux dire. Ouais, y'a moyen. Au moins, quand on fait 360, je suis là. Ouais. Là, on change de zone, on en fait une dernière. Tu vas en faire une petite dernière. Tu montes encore Moi, je vais refaire une à 80. Allez, passez bien, passez. Tu l'assisteras plutôt que moi. Ouais, vas-y. Elle va paraître dure. Pour qui? Pour qui? Non, c'est juste que, en fait, il pensait que j'allais l'aider. Ouais, j'ai parlé. Il a mis main en dessous, et du coup, il a parlé, du coup, il a perdu l'énergie. Quand j'ai commencé à pousser, ouais. Je savais qu'elle allait monter. Okay. Et du coup, le grind il était long. Tu vois, ce panache. Ouais. Son grind, comment il est long. Vas-y, lui. Quand t'as fait. C'est quoi, ouais. Là,
Et j'ai fait un grind de 6 secondes. Je pensais qu'il allait m'aider. Du coup, j'ai dit touche pas, j'ai niqué l'énergie après. Ouais, c'est ça. En général, quand c'est comme ça, faut pas parler. Ouais. Quand c'est comme ça, vraiment prends le temps et vraiment donne-toi à fond. J'ai extériorisé l'air qu'il y avait dans mon. Exactement, parce qu'après, ce panache, en gros, c'est un mec qui fait de la compétition de. Il est trop fort. C'est 66 kilos et à 180 kg. Il a mon max. Pour 160, pour 63 fois son pro. Gros, cette vidéo a fait des millions de vues, gros. Il a 80 kilos, ça alterne. Il a passé 300 au départ. Pareil, lui, je le voyais quand je faisais des compètes. T'as vu, il était assistant. Et je le voyais. Moi, j'ai fait ma série. Trois fois 20 avec des pauses. C'est le mec à la salle, je lui ai déguisé en armes, le mec qui me déjoint. Et genre, c'est vous. Ah ouais, ça existe comme conseil. En gros, le mec, il est déguisé en mode. Genre, il ouais, la salle, en mode. Il fait crari, il ouais, déploie la salle, t'as vu. Ouais. Il poussait, tu le connais. Non, mais les vidéos, elles sont fake. C'est un français, c'est fake. Les vidéos sont fake. Non, c'est un gars, Il est vraiment fort, mais je veux dire, les mecs, c'est des mises en scène en gros. Ah, ok. Ah, bah, je sais pas. Non, mais les poids, c'est des vrais poids, mais c'est des mises en scène. Franchement, j'ai pas vu les vidéos. Essaye de m'en montrer une après. C'est trop des mises en scène. Genre, il y a des mecs qui parlent, un gros grave pour débuter. Il arrive, parce que les mecs, ils vont. Oh, oh, oh. Après, il y en a, ils ont des réactions. C'est grave. Bon, c'est parti. Ça a passé là. Facile. C'est ça en fait. Prends ton temps. La technique. Vas-y les gars, 80 kilos chine. Tu dois pas bouger. Dis-toi que peu importe la charge, la technique doit rester la même. Donc là, le fait qu'on soit à 80, c'est une charge qui ne vaut rien. Dis-toi, c'est une charge gros, tu l'as fait voler. Je sais que t'en es capable, ok. Allez, on y go. On met la musique à fond. C'est parti. Allez, c'est parti, mon gars. C'est tiens, prends des petits rushs en même temps, dès que j'ai fini avec lui, tu me montres. Allez, vitesse. Prends ton temps. Hack him. Allez, c'est parti, on y go. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on y go. Prends ton temps. Allez, c'est parti. Vitesse, explose. Je sais pas. Mince. Après, je l'ai passé tout à l'heure et là je la passe pas, ça me casse les couilles. Pourquoi tu l'as pas? Ça me casse les couilles. Grave. Pourtant j'étais bien, j'étais dedans. C'est nerveux. C'est nerveux. Pour moi le fait que tu l'aies pas, c'est nerveux. Parce que là je suis allé bien, j'ai pris mon temps, bonne technique, j'ai bien pris mon souffle, j'étais dedans là. Et je comprends pas pourquoi elle veut pas monter. C'est pas grave. C'est, vas-y, je pense que si je reprends le DC, d'ici un mois, je pense que je passe là. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, c'est là. Au niveau de la force, c'est là, c'est juste au niveau de la technique. No grind, no pain, no gain. No pain, no gain. T'en as une, tu l'as passé à 4 ans. Ouais, vas-y, je vais voir le bon côté du sauce. Vas-y. T'as jamais vu? Vous voulez qu'on fasse quoi? Bah lui il arrive en mode crack, on est pas la salle. On fait dos? Dos? Moi et mes 0 traction. On fait ça, traction, je vais pas dire. Je crois pas, je dis ouais, vas-y. Bah moi elle dit ça fait le après ça là. Ouais, c'est des dips pour la porte pour la dips. Moi les dips je peux en faire 2. Ah ouais. 3. Bah, c'est dur les dips ça. Mais moi je galère. Ouais, non mais après ça encore pire. Ouais. Ah, je pense qu'on peut faire un exopec encore. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Bah oui, moi je peux dire qu'il y a un exopec encore. Parce que là, ouais, je m'en ai fait la force, ouais, c'est ça exactement. Donc là, on se retrouve avec une séance qui n'est pas complète parce qu'on se retrouve avec un seul exo DC. Mais je pense qu'on peut compléter les pecs avec un deuxième exo. Ouais. C'est développer incliné alter. Vous en pensez quoi? C'est quoi les choses? La chef. Oh le mec. On aura un gros accident. Très bien. Plus de peur que de mal. Ouf. Vous savez, ça m'est arrivé ça un jour. Vous savez, il m'est arrivé toutes les galères du monde au bench. Moi, ça m'est arrivé. Gros, ça m'est arrivé, gros. La barre est tombée comme ça. Après, elle a commencé à m'écraser, gros. Elle m'est tombée sur la mâchoire comme ça. Wow. C'est dingue. Moi, c'était quand j'avais 17 ans, je m'étais inscrit. Ouais. J'avais, en plus, c'était 10 kilos de chaque. Hein. La vie, je me suis retrouvé comme ça. Et tu sais, j'ai fait comme ça pour faire tomber les poids. J'ai juré, je suis rentré chez moi. Genre, j'ai pris la serviette, je suis rentré chez moi. Non. Ah, moi, j'ai vu des vidéos inquiétantes. Hein, parce que les gens, ils prennent la barre, mais tu veux, ils mettent pas le pouce. Ouais, du coup, ça glisse. Mais... Oh, ça, c'est dingue, cache toi. Oh là là. Pourquoi tu t'arrêtes de respirer là? Pour moi, c'est important. Mais tu sais que ça m'est arrivé sur une rep à 160, la charge est monte, puis après les boys partent d'un côté comme ça. Les autres, je t'ai donné une nickel. Ouais, aussi, il m'est arrivé ça aussi, déchirant des deux pecs. Ah, ouais, déchirant des deux pecs. Trop mal. Gros, j'étais comme as. Tu es allé à l'hôpital? Gros, déchirant de grade 3, tu vois, je sais pas si t'avais vu une vidéo. Deux pecs en même temps. Où le contract comme ça. Exactement, il y avait une vidéo où un mec s'est arraché le pec, ça c'est déchirant de grade 4. Moi, c'était vraiment 3, c'était le palier juste avant, genre. Mais ça, après, c'est. Ça change du temps de non. En fait j'avais un bleu, tu vois, ça se voyait, j'avais un bleu parce que le sang il s'évacuait, tu vois. Et le truc c'est que ça a été plus dur mentalement quand je revenais sur le bench. Parce que
t'imagines, moi, en vrai, j'ai des longs bras, tu vois. Et c'est ça vraiment qui fait que mon étirement du pec, il est conséquent. Donc le fait de il a dit, il y avait 10 kilos de chaque côté en mode c'est beaucoup. Bah non, justement, c'est l'inverse. C'est imbécile. Comme toi. À la fin, moi, j'avais une gravure, c'était aux artères. C'est la République. Ok. Fitness Park. Ouais. Je démarre comme as, je monte. Et t'as vu comment les bancs ils sont serrés. Ouais. Il y a un mec qui passe à côté, il met un coup de coude sur mon alter. L'alter il passe comme as. 32 kilos, je fais comme as et tout. Je j'avais pété la mâchoire. Bah oui, j'étais tellement énervé. J'étais trop énervé. C'est hardcore. Les gars, faites attention. Vraiment. Franchement, on va même entre les séances. Faites attention parce qu'on croit que c'est si simple que ça. Donc en vrai, petit message de prévention, les gars, faites attention. Quand vous êtes à la salle, c'est important de justement avoir un mouvement sécuritaire ou d'être entouré. Donc par exemple, si vous passez au DC, faites-vous assister et soyez pas con à essayer justement de pousser un max. Franchement, essayez parce que ça peut être grave ce qui peut se passer. C'est dangereux. C'est ça. Le dos, ça va, il n'y a pas de danger. C'est ça, ça va, le dos, ça va. Le pec, c'est vraiment. C'est... Franchement, le bench. Là, on va passer développé incliné aux haltères. C'est parti. Ça fait plaisir. Ouais. Donc à partir sur un long format, endurance, congestion. Et puis, je sais pas, c'est à qui la serviette. Ah, moi, c'est plus des exercices que j'ai pas fait depuis longtemps là. J'espère. C'est l'occasion. C'est là-bas, c'est là-bas. Let's go. Tu vas faire un peu de pec, tu vas faire un peu de pec alter. Comment le. Comment le. Le pli, ton truc. Quand on va le temps de déplacement, on va le remettre. Tu vois. Non, il m'a dit, il faisait son doit. Tu veux le mettre comme ça? Ou tu veux le laisser comme ça à droite? Bon, on va laisser comme ça. C'est nos haltères. J'ai vraiment pas j'ai un bouteille d'eau. T'as maigri. En vrai, non, je fais toujours le même poids. Je suis 94 kilos. Allez, c'est bien. Ça, c'est le but. J'ai toujours 4 barres. Hein. 4 barres, ok. Parce qu'il m'a. F, attends, il y a un F. Ah là, c'est bon. C'est bon. On met face. On met de quel côté, genre avec le miroir en face, ou on met de l'autre côté, je pense que c'est mieux. On peut pas les monter, c'est que l'horizontale. Ah, on peut pas les monter? Non. La merde. Ce qu'on peut monter, c'est ceux-là par exemple, tu vois. Il faut voir avec combien de séries il en reste. Eh hey, frère, des trucs comme ça, je sais pas comment les déplier, frère. Eh hey, gros, la salle, ouais, elle est grande de ouf. Tu vois ça, la salle, bébé. Grande, c'est la fitness d'IDF. Ah ouais? Ouais. Non, mais y'a un banc là, sinon. Voilà. Ah, j'avoue, y'a un banc ici. Ouais, y'a clairement un banc. Allez, je vous pose, les gars. Est-ce que je peux vous poser ou pas? J'ai besoin de votre consentement avant. Est-ce que j'ai le droit de vous poser? Je vais encore péter au bench. C'est des choses qui arrivent. Ils ont dit quoi? Il dit tu vas encore péter au bench. Attends, c'est du coup. Ouais. Comment tu le montes ton trépied? Coup du marteau. Là c'est coude. Attends. Tu penses qu'il est plus haut quand même. Ah tu veux le lever quand même? Lever, ouais. Donc là tu vois, là tu le tires. Et juste, t'as juste à tirer la. Toi tu vas souvent la salle. Tu me dis quelle hauteur? Ouais, avec la fin du deuxième semestre de partiel et tout, j'avais arrêté. Donc là je vais reprendre. Tiens Alexis, tu peux retirer ça vite fait? Oui, bien sûr. On voit le retour. C'est chaud un peu. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est carré là. C'est carré le chat. C'est très chaud. Ouais. Ça m'a l'air d'être carré là. Il y a un poids de 70 kg. Il date. Hein? C'est 10 kilos la terre. Je la soulève même pas. Okay. Donc ça c'est sorti l'année dernière. Et le cas c'est trop. Il a corrigé. Ah oh, mais bon c'est trop chiant à voir. Tu vois je pense que si j'ai une vidéo à faire à la Zepana, je viens ici. Ouais. Gros ma salle s'arrête à 60. Pour les fous, ça. Ça monte à 70 quand même. Ah ouais, ouais. Ça dépend des honneurs. Parce que moi j'ai un honneur par exemple à côté de chez moi dans le 93. Ouais. Ça s'arrête à 60 aussi. Ça veut dire. J'aime pas mieux que ça, je sais que j'ai pas. 70 kilos. Pour les fous, c'est pour les fous. Ça fait trop d'être ça. J'ai une marche.
Non, c'est pas mal quand même. Moi, je veux commencer genre avec un truc léger, enfin, au calme, genre 20 kilos, genre. Non, 18, c'est bien. Non, 14, c'est bien même. 14, ouais, 14 pour commencer. Comment tu te sens? On met la charge de travail ensuite. Wesh. Moi, je sais pas, je sais plus, je fais combien. Non, mais ils sont grave bizarres, le grip. Ah, non, ouais, c'est des larges de coups. C'est des haltères calibrés, mon gars. Là, c'est vraiment un grip de. Je commence à quoi? Genre 8-10 bodybuilder, ouais, on fait 8. Attends, mais premier degré, vraie question. Ça, attends, ça, attends, attends, ce qui est important justement, c'est de rentrer tout le coup. Allez, une. Parfait, deux. Trois, tu pousses trop vers l'extérieur. Ramène un peu vers l'intérieur. Voilà, parfait. Oui, c'est des haltères de 26 centimes, des haltères de 10. Un peu vers l'intérieur. 7, dernière. Et 8. Tu m'as dit quoi, Raph? Ça, premier degré, ça sert à quoi? 70 kilos, ouais, c'est que les gens ils bossent, mon gros. Ils font quoi avec ça? Développer piqué. Tu peux faire développer piqué, rolling bûcheron. T'as vu ça, c'est les genres de mouvements qui ont besoin de force, ah, mal, de la force, ouais. Tu vois. C'est-à-dire que c'est des mouvements, tu mets lourd. Attends, je vais la prendre. Franchement, ouais, 70 kilos, justement, c'est pas mal. Regardez là-bas, 80 gros. Voilà. 70, le portrait. Le voyez. Voilà, demain. 70. Ouais. Demain. Je comprends pas, c'est une fois la fin de l'intérêt. Tu sais, je sais, c'est comme ils sont pas longs. En fait, je vais avoir mal au genou. Ok, bon, je peux. Si je peux, alors. Bah, je peux. Voilà, montre-leur. Les gens, ils prennent ça à une main. Et dans l'autre, et là, oui, bon, ça c'est des malades. Ils ont pris 100 en plus, ça faut les enfermer. Tu peux faire? Vas-y. Oh, c'est pas un force, hein. 14. Ça, sur les haltères, tu les retrouves uniquement dans les salles aux États-Unis. Je les ai jamais vus, moi. Tu vois, ça, il n'y a que Nassim. Ah, ça, c'est la salle à vue de Nassim Saïdi. Ah, super. Il y a des grosses secondes d'âge. Quoi, il y a des points moins de 22, genre? Ouais, bah en général, les poids de commerce. Ouais, t'as vu? C'est quoi? Les gars, ils sont. Ouais, on dirait. Il est grave, elle est grave épaisse là-bas. Attends, mais tu vois, là, en place, il y a des poids qui sont pareils en ferraille. C'est-à-dire que c'est des poids calibrés, des poids en fonte. C'est là vraiment la charge ne bouge pas. Là, t'imagines un poids de quantité qui fait tomber 40 poids, il va perdre sa matière. Ah, du coup, il va diminuer un peu. C'est-à-dire que tu mets 100 kg, mais c'est égal à 97 kg. Ton équilibre dans le poids. C'est ça. Ouais. Ça veut dire les poids en fonte, ça bouge jamais. Ouais, ouais. Pas du tout. Impeccable, super. Ma mère, give me help. Dice. Dice, on est en charge, je sais pas. 20. C'est trop bizarre pour moi. Tu te sentais comment à 14? Tranquille. 20, moi je pense que c'est pas bien. 22 même. Ça dépend combien de rap je fais. Tu en faire 10? Peut-être essayer 20, après si c'est facile, 22. Vas-y, fais d'abord. C'est trop bizarre. Je vais juste les essayer, moi. Ça, c'est 14, ça? C'est 14? Là, ici, c'est le maire de Montreuil, non? Je vais porter des artères de 4 kg. Je te jure, gros, c'est trop. Ça fait trop bizarre. Ouais. C'est trop bizarre. Le grip, il est... En plus, c'est un truc de bon joueur, mon gars. En plus, c'est toi, moi. La poignée, elle est grosse. Ouais. Quand c'est un truc de Stéphane matin là, je te jure. C'est long. Je te jure, mon gars. Ça va dans le chat, il se régale. Vas-y, massé, bah, j'adore le massé, très souvent. Le plus petit que je vois, c'est 22. Enfin, 22, c'est parti. Comment, le grip est normal? Bien qu'il met, super. C'est un gros grip en plus. Regarde, tu vois son mouvement, ouais. Melchior. Là, il est uniquement sur un mouvement de flexion des bras et d'extension derrière. Tu vois, ça veut dire qu'il y a son buste qui ne touche pas du tout et il pousse un peu vers l'intérieur. Quand tu pousses un petit peu trop vers l'extérieur, ça veut dire que tu peux te retrouver avec des blessures aux épaules à force, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Non, je sais, je suis pas assez bien. Comment ça, t'es pas assez bien? Je rigole. Ça, tu veux faire combien? Ouais, vas-y, fais un petit patin, on va. Voilà, là, c'est bien. Il est là. Il est là. On va faire le deuxième ici. Ah, ben, il est là derrière, alors. Là, là, là. Pardon, excusez-moi le chat. C'est bon, je veux lire le chat. Ouais, c'est bien. Pose ta tête par contre. Toujours, voilà, c'est bien. Allez, c'est parti. Gimme, hey, toi. Prenez pas les haltères, fais attention. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, 3. Super. Bon, mon téléphone là. Hein? C'est bon. J'ai peur. Dernière, et c'est super. Impeccable. Le mouvement est très très propre. Super. Attends, Melchior, c'est parti. Ah.
Alors, du coup, allez, hein. On est parti, on part sur direct. Allez, c'est parti. Prends notre temps, on pousse bien avec les hauts pecs, ok? Allez, une vers l'intérieur. Allez, deux. Voilà. Allez, trois. Ok, quatre, c'est bien. Cinq, descends un peu plus bas. Six, descends un peu plus bas. Voilà, sept. Allez, huit. Ok, allez, neuf. Ok, dernière, okay. Pousse bien ici. Hein. Dernière, allez. Voilà, bien. Ok. Quand c'est comme ça les gars, laissez jamais vos terrains en dessous. Vraiment, moi j'ai pris. Vraiment, parce qu'on sait jamais l'intérieur bondit, ça fait l'écran. Moi je vais. Mon dieu. C'est ça exactement. En dessous, dans la poche, ça va pas les soucis. Moi je peux en Allez, 6, voilà, respire bien. Allez, 7, c'est parti. Allez, Alexis, encore 8. Allez, 9 et 10, il t'en reste 2. 9, allez, 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 dernière. Allez, on y va ensemble, c'est parti. Allez, on pousse. Boum. Allez, 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 allez. Bien, super. Et mettez un temps de repos, les gars, en général. Un petit 2 minutes. T'as failli me laisser dans le vent, je pense. Il a failli me laisser dans le vent, ouais. Ouais, je vais essayer 26. Merci les gars, merci beaucoup. En fait, ça, ce technicien, j'ai remplacé par la Smith Machine. Ouais, Smith, c'est pas mal. Smith, franchement, c'est pas mal. J'ai vu ça, tu vois. C'est qui le deuxième blanc? C'est Kingel, c'est un joueur Smash, pote de Winder. Attention, il continue en fait. Là, je me fais l'excuse de reprendre ces exercices. C'est quand même bien. Ils sont quand même importants. C'est important parce que si tu te retrouves avec une routine d'entraînement, avec des mouvements simples, sans sortir de ta zone de confort, les résultats, tu vois, ils vont risquer de stagner un petit moment. Qui va à la salle dans le chat? Je promène. C'est important qu'on parfois on rigole, mais il faut promouvoir des bonnes valeurs. Le sport, c'est bien, tu vois. Oui, oui. C'est entre 6 et 8. Allez, c'est parti. Entre 6 et 8. Il y a du monde, hein? Tu vois la salle? Allez, qui met en Ludo. Vitesse, hein. Concentration. Le cœur, tu le connais déjà. Attention, temps. Allez. Ça revient. Est-ce que ça revient? On y va. Allez, c'est parti. Allez Hakim, fais-le avec Hakim. Allez, une. Allez, pousse Hakim. Parfait, deux, ouais. Très bien le mouvement. Allez, trois, impeccable. Ah, c'est travaillé ça. Allez, quatre, voilà, bien le haut de pec. Allez, cinq, respire bien, reste concentré. J'ai beaucoup dit. Allez, six, allez, concentré. Allez, sept, allez, on y go. Allez, on pousse. Allez, allez, dernière. On y va ensemble, on y va, dernière. Allez, on y va. Allez, pousse. Là. Elle est belle. Belle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle est belle. Putain. Tu es bon. Ouais, tu peux rester à 14, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais reprendre les haltères, ça fait longtemps. J'ai des bonnes sensations là. J'ai mal au poignet. J'avais pas le temps avec les skills. Mais je faisais les gens. J'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai entendu pas ce qu'il a dit. Mais en fait, la vérité, je vais vous dire un truc, le secret. Là, je crois que c'est depuis que je commence à tryhard les dips, j'ai l'impression que toutes mes perfs elles ont explosé. Surtout les triceps, ça aide. Que ce soit là, aux haltères, tous les exos, j'ai l'impression que depuis que j'ai instauré les dips, j'ai explosé dans toutes mes perfs. Tu fais pas du corps ou tu te laisses? Hein? Tu te laisses ou. Ça m'arrive de lester. Sur les dips. Ouais. En fait, depuis que j'ai instauré les dips, j'ai l'impression que tous les exercices que je fais au bout du corps se sont améliorés. Bien sûr. Ah, c'est un truc de fou. Tu le sais, c'est trop une dinguerie, c'est important. Je suis prétend, là, je suis en train de me rendre compte là. En vrai, je pense que ton programme, tu devrais vraiment le baser sur uniquement du polyarticulaire et des exercices de renforcement, tel Smith par exemple, ou de la poulie, pour vraiment fortifier tout ça. Mais le cœur de séance doit être poli. Il n'y a pas plus rentable, tu vois. C'est... On va en faire plus, ok. Allez, go. Vitesse. Ouais, t'as bien le temps. Prends le temps quand tu reviens avec ton programme, ok. Comment mettre bien ça c'est combien? C'est laquelle que tu veux? Allez, c'est parti. Allez, on y go. Yo, il est ça?
Dis soit non, you can take it. Allez, deux. Bien. Ok, trois. Prends ton temps. Reste concentré. Putain, j'ai perdu la bouteille d'eau, mais je suis vraiment désolé. Voilà. Allez, cinq. Prends ton temps. Je l'ai pas laissé. Allez, six. Non, j'avais pris, j'ai bu. Bien. Allez, allez, sept et huit. Allez. Ok. Dernière. J'ai un vrai naïf. Dernière, on y va. Allez. C'est un jour de football. 9 et 10, allez. 9. Prends ton temps. Dernière, dixième. Dixième, prends ton temps, c'est parti. Allez, on y go. Je vais essayer de faire un peu. T'es meilleur. Non, bah si, je pourrais. Super attention. 20, mais je vais refaire 22. Fais super attention parce que t'as vu au niveau de ta trajectoire, tu partais un peu vers l'avant. C'est-à-dire que si je t'assistais pas, le poids par exemple, tu peux être amené à tomber sur ta jambe et tout. Genre, vraiment faire gaffe. Mais si c'est propre, franchement, c'est bien. Allez, t'en as 10 à faire. Allez. J'ai perdu là. Tu peux m'aider à... Bien sûr, je peux. Merci mon bébé. Bon. Allez, c'est parti. Allez, une. Ok, deux. Allez, Melchior. Allez, trois. Allez, mon rouge. 4, prends ton temps. Allez, 5, 6, pousse vers l'intérieur. Allez, 7. Allez, dernière. Allez, on pousse. Allez, on finit. Ils vont tailler dans le chat. Allez, mais sur la grimace. Wesh. Il a jeté en mode limite. Ouais, c'est une dinguerie, wesh. Oh, j'ai même poupé. Ouais, je te jure. Désolé, les gars. En fait, c'est dur en vrai. Mais c'est là, les robots, c'est ouf en plus. Ouais. Zad, c'est pas pareil. En fait, c'est des affaires. Mais tu regardes, c'est sur ton mouvement. Ça veut dire qu'il faut 26 piles. Sur ton mouvement, tu te retrouves. Je veux dire, le mouvement est plus dur à faire. C'est trop ouvert vers l'extérieur. Parce que vers l'intérieur, c'est incliné. Surtout incliné, c'est exercice incliné, il est dur. Avec l'équilibre. Et en plus, tout le monde a des longs bras. Mais le cœur, il a des longs bras. Ouais, elle n'est pas. Bon. Il n'est pas des canettes. C'est à moi, je crois. Ouais. C'est à moi. T'as fait combien, toi? Bah, j'en fais 22, je pense, non? Je crois. Ouais, t'as vu. Tu prends 22? Bah, je sais pas, en vrai. 22 ou 24? 24, je pense, j'ai. Hein. 22, hein? T'en as fait combien à 22? Ouais, après, va pas. 10, ouais, j'ai pas 10. Hein. Le Messi, il a fait 10 juste avant. Ouais, mais je vais faire 24, mais je sais pas, 24. Tu m'as filmé en 0,5, bah attends, en vrai. Tu peux faire la film toujours en fond. Ah, ok. Toujours. Là, regarde. Je passe. Allez, Alexis, c'est parti. Allez, Alexis. Allez, Hugo, c'est parti. Allez, une. Bien, ok. Parfait le mouvement, oui. Oh, allez, nickel. Allez, vraiment nickel, là. 5. Ouais, allez, encore. Allez, Alexis. Ok. Allez, 8. Voilà, il est nickel le mouvement. Allez, 9 et 10. Minimum 9. Dernière. Allez, on pousse. Allez. Super. Ouais. Bien. C'est 22? Ouais, franchement, propre. Merci. Ah. Alexis, t'as l'habitude, tu t'entraînes? Bah, j'en fais, moi. C'est quoi, franchement, propre au niveau même de la technique. T'as vu, même quand t'as fini, quand tu lèves les genoux, pour reposer les haltères, ça c'est très bien. Technique. C'est bien. Ah, j'ai toujours fait le terme, c'est pour ça. Ok. Bah, j'ai plus de temps. Ça va dessus, ouais. C'est vraiment, j'ai la flemme. En fait, j'ai pas vu du poids. J'ai du mal à prendre en force. Ok. J'ai un peu stagné. Ok. Là, c'est le moment que je fais 10. Fais des 10. Je pense qu'en vrai, si j'aurais. Et toi, quand t'as commencé, t'as perdu quoi? T'étais à combien? Ouais, j'étais à 100 kilos, je crois que j'étais à 100 kilos, sans lesquels, j'ai perdu 100 kilos, j'ai pas perdu grand chose, j'ai pas perdu de perte, ok, après j'ai pas dans le type de faire des pertes, ouais c'est ça, ouais je pense que tu veux dire, mais en soi, au moment que t'as perdu physiquement, après j'ai pas encore, je prends de, je sais pas, c'est à dire, ok, là je suis en matière, ok, tu vas combien de fois par semaine, là je sais pas, avant j'essayais d'aller vraiment 5 à 7, ouais, c'est bien, 5 fois semaine.
Ah, vous avez fait le truc la semaine où je filme IRL ? Ouais. Bah, j'ai pas fait en continu, mais genre je coupe, je lance. Ok, tu m'avais parlé de ça vite fait, ouais, c'est pour ça que je suis en train. Ouais, salut le chat. Reprise du coup là. Facile. Boum. Allez, une. Parfait, deuxième. Voilà. Allez, trois. Haute pec. Hein. Allez, quatre. J'ai plus trop. Allez, encore, encore. On parle pas là. Allez, cinq. Allez, six. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on pousse. Ok, sept. Allez, encore. Jusqu'à 8 minimum. Allez, on y va ensemble. Dernière, on y va. Allez, allez, allez. On y va. Dernière. Allez, 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 allez. Ok, 3. Super. Damn. Damn. Plus de jus là. T'as pas mangé ou quoi? Commence à avoir plus de jus. Gros, c'est le nerveux qui parle. Tu vois, quand tu te par exemple, à faire que des exercices muscu, entre guillemets, type hypertrophie, pardon, tu vas te retrouver vraiment à des moments où ton nerveux il va. Bah, en fait, il sera en pause en fait. En fait, ça, c'est comme le décès. Comme ça fait 7 mois, j'ai pas fait. Genre, je sens que la charge elle est pas lourde. Ouais, c'est ça. Mais arrive à ça. Ça va bloquer, ça bloque, ouais. J'ai l'impression que mon cerveau il fait. Tu peux plus, genre. Ouais, ça arrive. Donc, t'as vu comment les premières elles volent et tout. T'as pas de problème. Ouais, ça m'arrive exactement la même au curl. T'as vu, je fais du curl, ça monte, puis d'un coup ça bloque. Genre, ouais. C'est normal. C'est vraiment tes fibres de type lente, du coup, ouais. Qui sont liées au système nerveux, qui sont justement un peu endormies. T'as vu. Au fait que tu faisais beaucoup, tu t'as fait récemment. Allez, c'est parti, rappelez-vous. Mais c'est bien, là. Allez, une. Allez, prends ton temps. Voilà, t'as Alexis, lève les bras. Allez, montre à la caméra. Regardez la team, regardez. Allez, allez, laisse concentrer. Mets-toi un peu plus là, y a le chat. Allez, 6. Petit triceps. 6. Flex en même. Allez, 7 et 8, encore 2. Encore 2. Allez, 7. Allez, 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 allez. Reste droit, reste droit. Allez, dernière. Allez, on pousse, allez, allez, allez. On pousse, on pousse. J'ai plus de jus là. De toute façon, je vais faire une séance tranquille. Hein. Ah. Je parle comme tu veux. Je pense qu'on peut aller à la poulie pour finir avec un biceps, triceps, épaules, ouais. Un petit superset même. Et ensuite, on passe sur un exo dos par exemple. Mm-hmm. Et un petit circuit pour les abdos. Ouais, chaud. On s'est déplacé, c'est... Je te jure, frère. Non, mais là, en plus, le chat, est-ce que vous kiffez? Alors, faudra juste chercher la batterie externe, là, parce qu'on va bientôt... T'as plus beaucoup de batterie? Ouais. C'est sa mère, là. Ça me rappelle quand j'étais avec mon coach et tout, là. Jumeau. Les gars, c'est comment? Est-ce que vous kiffez? Regardez l'équipe. Tout le monde est là. Il manque du monde, mais... Bah. Ouais, de baiser, c'est lourd. Bah. C'est lourd. Franchement, kiffez, les gars, profitez. On veut que vous soyez bien, que vous soyez au max. Et franchement, c'est carré. C'est carré. La terre il a laissé là, elle va rester là jusqu'à 19h. Ouais, gros, frère, même le staff ne peut pas le mettre. Ouais, même le staff va pas la porter, frère. C'est trop grave. Vas-y, challenge. De quoi? Moi je la lève. Hein. Oui, je pense que tu la lèves. Mon gars, marque le temps, ça va rester. Mais te dis pas le dos. Hein. Bah, pose-la pendant que tu l'as soulevé. Hein? Tu peux plus manger. Allez, la poser, wesh. Tu viens avec moi, je suis là. C'est mieux le non. Oh, vas-y, Winder, lève-la. J'ai trop peur de me baisser. Non, mais hein, va la poser, genre. Bon, les gars, alter de 60. Vas-y, prends en live. Un petit rowing bûcheron. 60. En vrai, pourquoi pas. Un petit rowing bûcheron. Je veux la lever. Une main. Vas-y, là. Ah, une main, les gars. Fais les courses, là. Vas-y. Wesh. Ouais, ça va faire un petit cœur, Steve. Wesh, ouais, je sais pas où. Il va où comme ça? Il va où? 70 kills, les gars. Ouais, c'est une dingue, comment c'est lourd. Franchement, jamais je la mets au-dessus de mon épaule, par contre. C'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Il est trop malaise. Faut faire belé, gros. Ouais. Je te jure. Gros, frère, c'est trop, c'est une petite bonne d'arrivée. Quand ça arrive, gros, après t'as. Go, on y va ou on... Allez, c'est parti. Vas-y. C'est parti, je te laisse prendre le matos. C'est là, dans ma tête, j'ai les TikTok avec les vieux edits où genre en mode je la soulève tout seul. Ça fait en mode. Et ensuite, il la soulève, ça fait. Allez, parti, sélection poulie. Allez, putain, j'arrive pas à la... Bon, vous allez être comme ça, là. Brain rot, exactement, mon cerveau il est stocké, les gars. Par exemple, quand je joue au basket, je pense aux edits TikTok, hein. J'ai la musique de Paul George. Vous voyez la musique de Paul George dans les edits ou quoi? Attends, on va voir. Je vais me re-inscrire, je crois.
clairement que c'est pas la bonne heure pour la vis-à-vis. Ça veut dire on va se mettre plutôt sur une poulie à l'extérieur. T'as pas tourné ? Attends, pas que ça. Vas-y, mais au pire, on change des os, on essaie de trouver un truc. C'est 5. Oui, oui. Vas-y. Le skin. C'est trop. Le skin. T'inquiète, c'est bon. T'inquiète. C'est bon. Toi, t'es un ouf, tu dis, mais on tourne, on arrive à 5. Il a dit, on arrive, on tourne, on est 5. Je suis mort. Aïe. Chacun, ouais. T'inquiète. Après, moi, je fais pas, donc ils sont calmes. T'inquiète. Bon, on peut faire un truc d'eau en vrai. Vas-y, qu'est-ce que tu proposes, coach? On peut faire du tirage vertical, horizontal, on peut faire des tractions. Ok. On peut faire ce que tu veux. Ok. C'est dur. Hein. Allez, on va tester. Non, bah là, mais moi, les tractions, non, on peut faire des tractions deux. Avec ou pas? Oui, tu peux, je fais des tractions. Ouais, mais je pense que c'est ça. Il y a des élastiques qui ont plus de résistance que d'autres. Mais bah, peut avec ça. Hein. Après, tu fais des négatives. Ça, c'est pas le numéro 1. Non, mais moi, je pense que moi, je fais. C'est le deuxième. Moi, je pense que je peux essayer avec ça. Si c'est trop facile, je te le dis de toute façon. De toute façon, tu le verras, c'est trop facile. Allez, c'est parti. DC, développer, alter ça. C'est que mes deux mouvements préférés, DC, traction. On fait pronation ou supination? Supination, enfin pronation, pardon. Ah ouais. Pronation, mon gars. Pronation, parce que t'as vu, supination, c'est le mouvement que. Au moins 3. Bah là, s'il y a un élastique, je pense que je peux faire un peu plus. On a déjà traction. Peut-être genre 5. De quoi? Bah qu'un élastique, je peux avoir. C'est facile, non? Ouais, mais ça aide pas beaucoup. Ah ouais? Bah je trouve. Ça fait pas vraiment une grosse assistance? Bah c'est rare, ouais. Ok. Bah j'ai jamais fait en fait. C'est pas un gros élastique. Exactement. Oh, je suis rien, un ring de boxe. Je vais venir avec le frère de Koumo, on va se battre. C'est trop gros, je te jure. Justement, lui, c'est lui qui m'a encadré dès mes débuts, qui m'a permis justement. Très très chaud. Ça aide beaucoup l'élastique ou pas trop? Oui, ça aide. Genre là, ça te fait économiser. Enfin, ça va te permettre de faire mieux ton poids de corps. En fait, ça te fait économiser au moins 10-15 kilos. Ok. À peu près. Ah, ça. Ok. Ouais, à peu près. C'est comme si là, t'as combien là? 95. C'est comme si t'étais à 80. Ok. Mets le pied dedans, tu mets bien le pied dedans, ok? Faut pas aller chercher la batterie. Ok, très bien. Mets-le bien dedans, t'es pas dedans. Le deuxième, t'es pas dedans. Ça va, vous vous démerdez dans le chat en traction ou pas? Allez, c'est parti. Moi, pronation, je trouve ça trop dur. Hein. Ouais, prise large comme ça. Comme ça là? Ouais. Là, 85 kilos, j'ai du mal. Je trouve ça trop dur. Ouah, Melchior, t'abuses. Ah, je suis. Allez, bâtard. Dans le chat, j'avais tout en deux. Ils sont en train de. Gros, t'as vu? T'as pas vu ça? Eh, gros, non, j'ai pas vu de dos, moi, j'étais de face. Ouais. Attention. C'est déjà tes pieds pourtant, je t'avais dit, gros. Quand ça arrive, c'est dingue quand c'est relou. Il est tellement grand que. Il est trop grand. Il faut qu'il fasse son deuxième prise. Il faut qu'il soit là où il est. C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'il fasse ici. C'est ce que j'allais dire. Il faut pas utiliser les. Ouais, parce que là, il est trop grand. Bon les gars, votre gars est tellement grand que quand il fait des tractions, il se retrouve avec un angle de 45 degrés. Je te jure, il touche le sol en plus. Grave. C'est grave. C'est trop. Les amis. Les gars, ça passe trop mal. Ouais, l'élastique, ouais. C'est l'élastique. Tu veux essayer? T'as déjà essayé? Ah ouais? Non. Vas-y. Tu sais, c'est l'exercice que je redoute le plus. Les tractions, j'aime trop ça. Allez, 3 minimum, Raph. Allez, c'est parti. J'ai un boycotté, après je faisais 75 kilos, j'en faisais maintenant, j'assume plus. Non, les tractions ça va. Je crois que c'est parce que j'ai mon maillot du Maroc Hakimi, il a fait des. Après, moi aussi je touche le sol. Hein. Ah ouais? Ouais. Après, je pense que je touche le sol en vrai. Hein? Ouais. Mais celle-là, on prend la verte. Hein. Oh là là. Attends, moi je suis pas seul, la verte. Elle est un peu plus haute. Ouais, la verte, elle est plus haute. Voilà, ouais. Un grip de fou là. Ça glisse. C'est un bon, moi j'ai l'habitude, je pense. Moi j'ai l'habitude. Mais pas de
Allez, gagne ton corps. Allez. Faut s'entraîner, parce que c'est dur. Ouais, t'as chaussure. J'en ai l'air. Voilà. Tu vois, en début de séance, j'en fais 5. Mais là, je peux pas, là. Et Alexis. Allez, encore. Allez. Ouais, bien, hein. En vrai, hein. Comment on met pour remettre? Dur. Ah ouais, mais là. Mais c'est ça qui fait step up. Non, je pense que c'est les bon, négatifs. Maintenant que tout le monde a validé traction, muscle up. Non, vas-y. Ah ouais, c'est pas bête de faire des négatifs pour s'améliorer en traction. Si. Bien sûr. Et la phase d'explosivité aussi, c'est important. Parce que tu vois, en muscle up, en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est une traction dans un premier temps et un dip. Donc ça veut dire que si tu arrives à être assez explosif sur une traction, tu peux passer au-delà du deck, tu vois, sur la barre. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec ton ventre qui sera posé et tu auras juste à tenir avec ta vue. En vrai, même moi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Laisse-moi en faire un pour voir. Ouais, je facile. Genre, ouais, c'est... vraiment c'est l'élan qui va te permettre de monter, tu vois, donc franchement c'est pas mal. Ça c'est un exercice que je fais beaucoup quand je suis au parc, parce que ça peut m'arriver d'aller au parc de street et de faire juste des tractions, que des dips et des muscle up. Et franchement le volume il est présent, quoi. Ouais, de ouf. Les gars de Porte de la Chapelle là, qui sont en live sur TikTok tous les jours. Ils sont 8 et ils sont trop dangereux, ils s'entraînent avec du ciment. Voilà, Melchior prend la barre au-dessus, la vérité, Melchior. Voilà, au fond on en est. Elle a la vérité. Attends, mais si il a terminé, on peut y aller là. Il a fini. Attention quand tu relâches. On n'est pas dans le monté. Et là, je vais. Jamais ou jamais là? Bah, mais ça, maintenant. Parce que je sais pas où c'est lequel. Vous savez, tu veux que j'aille? Ouais, je veux bien. Et dans le sac d'Alexis. Dans le sac bleu. Allez, go. J'ai pas besoin de mettre. C'est intensité, c'est assez intensif. Faut que tu te mettes en 2 pas des rentrés à mon nom. Bah ouais, mais. Ouais. Je crois que je suis en 2 pas des rentrés. Tu peux faire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va te demander un bon temps de repos en vrai. Parce que si t'es pas opposé, ça va faire des gars. Après, j'y vais. Allez, mec, allez, c'est parti. Voilà, t'as pas à bouger, tu es avec les forces des bras, bravo. Mais tu sais ce qu'on va faire dans ce cas-là? La phase. J'essaie de retenir. Concentrique, elle est pas bonne. On va faire uniquement la phase excentrique, donc dans laquelle tu vas monter sur une bonne. Tu vas monter tout en haut et tu feras que la descente. Okay. T'as même pas besoin de l'élastique encore. Parce que ça, justement, c'est quelque chose que j'allais te mettre sur le prochain module. C'était quand sur le programme? Bah là, on est dans. C'est la semaine prochaine. Semaine. Ouais, ok. Donc tu feras que de l'excentrique, du tirage vertical. Ça, c'est. Donc tu mets ton menton au-dessus et tu descends. 1, 2, 3. Ok, en 5 secondes. Combien de temps? 5 en 5 secondes, tu dois descendre. Elle est pas assez haute, la box. Tu redescends. Ah, je vais la mettre haute. Ouais. Mets-toi comme ça. Allez, c'est parti. Attention, je vais te cogner. Allez, c'est parti. Le menton au-dessus. Et dès que le menton est lié, on met jambe par jambe. 1, 2, 3. 4 et 5, retiens encore, c'est dur. T'as pas retenu, mais c'est le but. T'as pas retenu. Allez, c'est parti encore. C'est une bonne musique en plus là. Allez, mon gars. 5 secondes, j'ai dit. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ouh. Dernière. Allez, dernière. Le gars, il a fini. Dès qu'il a fini, il nous appelle. Ok, il ne reste pas si rien. Ok. Allez, c'est parti. Tiens, Raph, c'était bon, c'est bon. Okay. Allez, c'est parti. Prends ton temps. Non, tu vas la refaire, hein. T'es trop en bas. C'est bon, là, mec, ouais. Trop en bas, regarde. Quand tu montes, t'es censé monter. Et quand tu descends, 1, 2, 3, 4 et 5. Quand t'es à 5, tu dois avoir le bras tendu. Okay. Allez, prends ton temps. 1, 2, 3, 4. Prends ton temps. Vraiment, donne un maximum d'énergie. Allez, c'est parti. Dernière. Tant qu'elle n'est pas bonne, on lâche pas.
Ouais. Ça, c'est un avant-goût de ce que tu auras le prochain mois, ça veut dire. Je vois maintenant ce que tu es capable de faire. Allez, on y go. Je veux que tu me valides ça. Prends ton temps. Serre tes bras, vraiment, sois gainé au maximum. Mets un maximum de force. Allez, on y go. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça passe. Okay. Ouais, il est vraiment cuit. C'est bien. Fin de séance. Il est au milieu là. Non, parce que lui il est cuit. C'est épaule, tout ça. Ouais. Ça va quoi, c'est pour pouvoir passer les tractions. Ouais. C'est des négatifs en vrai. Ouais. Ah ouais. Vous n'avez pas fait les tractions, vraiment je pense que c'est pas ça des négatifs. Je trouve ça mieux que faire d'élastique. Ah, pour passer une première traction, c'est vraiment mieux en négatif. T'as fait des négatifs, toi, pour passer. Techniquement, si tu commences à passer à l'élastique, c'est que tu maîtrises les. Ouais, c'est qu'on a au moins déjà une ou deux. Hein. C'est ça. D'abord, en fait, je pense que c'est faire les négatifs. C'est pas que porte préjudice. Dans tous les mouvements où il y a mes longs bras qui rentrent en compte, j'ai plus de trajet à faire. Et... comme on dit, les bras de levier, ouais. Allez, facile, ok. Allez, deuxième. Allez, boom. Troisième. Allez, 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 on force. C'est bien, c'est ici, c'est que. Ouais, excentrique. Excentrique, c'est vraiment ce qui prime. C'est pour ça que là, j'ai descendu tout du son. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. En gros, le but, c'est de faire justement que la phrase excentrique des tractions. C'est-à-dire, tu te promènes en haut, et après, tu descends plus. Déjà j'essaye. Vas-y. J'ai parce que ça c'est vraiment la base, ça permettra de commencer les tractions et d'activer entre guillemets la force de ton poids de corps. Tu vois. Donc, t'as pas besoin de. T'as pas besoin de. Comment là, tu mets ton manteau au-dessus. Ouais, là c'est. Ouais, c'est encore. Saute, mets ton manteau au-dessus. On a fait de la force au dessin, on n'a pas fait du volume. Okay, une, on a deux, notre maximum. 3, 4 et 5. Une fois que t'as le bras tendu, tu mets 5, tu remets ton pied sur la botte, c'est sûr. Allez, on y va. Tu vas en faire 4. Allez, rap. Attends, vas-y. It is what it is. You say. Just the way. Une, deux, trois. Le gars, tu peux remettre ici, hein. Tu croises pas les jambes quand tu fais traction. Ah ouais, c'est pas les jambes. En fait, ton poids il doit être réparti au maximum et équilibré dans tout ton corps. En fait, si tu mets ton droit derrière ton gauche, ouais. Tu seras un peu plus lourd légèrement sur la gauche. Ouais, mais en fait, le truc c'est que je galère à les stabiliser mes jambes. Ouais, mais il faut rester droit. Ça part en couille et tout ça. Mais pareil avec les dips, faut pas croiser les jambes. Ok. Attends. Ok. Regarde ton téléphone, le like, c'est bon. Oh, c'est bon. Pam, pam, pam. Oh, c'est bon. I walked up to the feeling of death. And I lush left. Je suis fatigué. Ah ouais? Ça date de ouf. C'est Coolio, je crois. La musique là, c'est Gangsta Paradise. Ouais, c'est Gangsta Paradise. Most of life living in the gangster's paradise. Most of life gangster's paradise. Allez Alexis. Attends, le frère, c'est que là je suis trop proche. Elle va me gêner, la boîte elle va me gêner. Tiens, un summer body dans le chat là. Hein? Tapez un si vous avez votre summer body. Même une rep barre. Ah ouais? Je sais pas ce. Ah, faudrait vraiment commencer. Et ce qui est super important, c'est la technique surtout dessus. Ouais. Parce que si t'as pas une technique carrée, tu vas te retrouver avec des douleurs au bas du dos et tout, ça va être chaud, tu vois. Ouais, pour te dire, je sais même pas être un hiver body. C'est le dos et les ischios. Ouais, dos ischio. Feignant. Et j'ai le feignant body là. Les jambes aussi, voilà. Un petit peu les quadriceps. Ça dépend de ta prise, donc l'entièreté du dos. Franchement, les lombaires.
Il y a aussi les rhomboïdes ainsi que les dorsaux qui sont vraiment bien contractés, les trapèzes aussi. Franchement, l'entièreté du dos, parce que surtout selon ta prise, si tu es en traditionnel, donc avec les jambes fermées, tu vas te retrouver à avoir un travail complet des ischios ainsi que du dos. Et si tu es par exemple en prise sumo, tu vas te retrouver à avoir un travail autant des quadriceps que des ischios. Là, je sens grave mon dos là. Tu vois, sumo, c'est quand tu as les jambes écartées. Genre vois. Là. Donc, ouais. Franchement, c'est sumo. Là, c'est ma partie ici. Franchement, ouais, tu pourrais. On a fait quoi? On a fait 3-4 séries, je crois, non? Là, on est bon sur les tractions, je pense. Vas-y. Je pense qu'on là, est bon. Bien, donc là, on peut aller vers la poulie pour compléter et terminer la séance. Je fais épaules et bras. C'est ça, si tu voulais faire petit superset, épaules et bras. Donc, ce qu'on pouvait faire, c'est extension de triceps à la corde et on enchaînait justement avec des élévations latérales. Ça va, avec les deux. Elle a pressé, donc, non, c'est pas je suis pressé, c'est. En fait, élévation latérale, en vrai, si je le mouvement, c'est pas un mouvement qui fatigue de fou. Ouais. Genre, on peut faire, bon, faire superset les trois en même temps. Hein. Ouais. Ouais, je t'abuse. Boum, 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 boum. Sinon, on fait élévation latérale et après, on fait biceps, triceps. Aussi. On fait comme as et après, on fait. Bah, de toute façon, je suis le coach. Hein. Je coach. Elle est où ma serviette? Moi, j'ai encore de l'énergie un peu. Allez, là. Ouais, en gros on peut faire ça. Donc on va partir justement sur l'élévation latérale, mouvement qu'on va unifier tout seul. Donc à la limite, on va enchaîner les jambes en même temps. Et suite à ça, on va passer à la poulie pour faire. Ouais. Le live va sûrement couper un peu. On va faire comme ça, d'abord latéral, puis ensuite frontal. Et ensuite, en vrai, on en a pour 20 minutes si on fait tout. 15, ouais, 15 minutes. Même pas. Parfois, c'est super simple. Moi, je vais aller prendre ma bouteille, je pense. Pam, 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 pam. Là, il va couper, je pense, le chat. Alters, sinon. En fait, je pense qu'on aura plus de difficultés à trouver des haltères pour l'instant que la poulie. Après, tu vois. Bah là, on a deux poulies. Voilà, c'est ça. Non, là, on a deux poulies. On va partir sur les poulies en même temps. On va des haltères pour finir. Tu vas faire comment, du coup? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre. Attends, on va la mettre en face. On va en mettre une en haut, une en bas. Une pour les triceps, une pour les biceps, ça veut dire dès qu'il y en a un. Il faut toujours qu'elle tienne la batterie externe. Il y a les épaules. Voilà, c'est ça. Ah ouais, on ira, ouais. On va mettre une en haut et l'autre, voilà, la mettre en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici, juste sur ce côté-là. Ici pour les triceps, ici pour les biceps. Donc okay. On partira justement sur 12 répétitions à extension triceps, soit à barre incurvée, soit à la corde. Et ensuite, on va enchaîner sur 12 cœurs biceps, cœurs marteau biceps, pareil, à la corde ou à la barre de corde. Je suis en adepte de la corde. Pas bien. Bon, au pire, on fait avec ça. Hein, avec ça pour les biceps. Ça pour les biceps, c'est pas mal. Pour les triceps aussi, ça aurait été bien, mais on a vu. Parce qu'avec le peu de matos qu'on a dispo, t'as vu, on va plus faire ça. 12 ici et 12 en bas là-bas. Donc t'enchaînes. Pour ça, on enchaîne. Quand t'as fini, si tu vas là, moi je vais Raph, t'as entendu? Non. 12 extensions triceps ici. Okay. On enchaîne avec 12 curls biceps ici ensuite, ok? Vas-y. C'est vraiment un enchaîné. Le but, c'est que chacun passe à chacun son. Dès que lui, il a fini, il va ici, après moi, je vais ici. Ah, ouais, d'accord. Ah non, du tout, c'est un live, mais c'est pas moi, c'est lui. Avec lui, c'est nous. Non, c'est nous, c'est lui, c'est son mec. Ça va? Tu connais le Peut-être, je sais pas.
Ouais, enfin, Twitch, YouTube, mais j'ai un truc. Je te connais, non hein? Le mec, mais moi, tu me connais, mais. Bah, pas du tout. Tu fais quoi? Des lives, mode sur tout, hein. Mais je fais pas. Je joue au basket. Attends, t'en mets plus, hein. Ouais, mais 20. Un basket d'art, trop. Parce que tu vas réduire les jeux, là. Mais là, tu vas sauter des poulies en. Vas-y, go. Tu te connais, toi? Tu fais quoi? Derrière, je te connais. T'as compris? Ouais, je te connais, je te connais, mais tu fais quoi, en fait? Je sais pas, t'as vu? Allez, c'est parti. T'as combien là? T'as l'air d'être simple, hein? Ouais, mais frère, arrête, arrête les notes. Arrête les notes. En fait, genre là, ça a l'air. Il reste trop dans sa zone de confort. Je vois, il était comme ça. Non, mais le mais 45. En fait, le froid, il a. Il est trop bizarre. Bah, c'est lui, il est d'une. Ah, voilà, là, c'est bon. 3. Ah, mais c'est pas les vrais points. Allez, 6. Mal indiqué. 7. Allez, enchaîne 17, c'est bon, t'as déjà fait avant. Allez, prochain les gars. Allez, qui t'enchaîne après? Ouais. Vas-y. Alors, chacun tape son poids. Allez, tu me sors. Non, 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 reste droit. Pourquoi tu tords ton corps? Reste droit, voilà. C'est fort. Tu te moques? Du tout. Ouais. C'est le corps, chini. C'est le corps, frère. Bon, bon, bon. Bien cambré. Les poulies entre celles que tu fais, les points, ils n'ont trop rien à voir. Normalement, il y a des poulies à sur que je fais. 12 et demi. Là, sur celle-là, je mets 45. Non, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est mal indiqué. Oui, ça va la charge. Bon, c'est mal indiqué sur les poulies, là, c'est pas les vrais points. Non, mais c'est juste c'est pas la même forme, du coup, c'est pas la même difficulté. Ah ouais? Là c'est vraiment 45 genre. Bah c'est 40, enfin, c'est 45 mais c'est pas vraiment 45. Oui voilà ouais. Allez 6. C'est 45 au triceps mais c'est énorme. Bon, c'est parfait. Alors on enchaîne avec les biceps, 12 pareil, raf. Ciao. Allez go. Je sais pas, je fais combien ça. Oh putain. On fait 45 au biceps. Allez, c'est parti. Je vais jusqu'à 12 mais je vais baisser, je vais augmenter je pense. Ouais, mais t'as vu comment c'est trop bizarre. Ouais. 4, 5, 6, voilà, allez 7. Ça cambrait ici. Les gars faut cambrer, faut. C'est comme ça que t'as la stabilité. Les pieds bien ancrés dans le sol. C'est comme ça. Sortir le dos. C'est comme ça que t'as de l'équilibre. Si tu restes debout, etc. et que tu vis pour les caméras, tu vas te niquer le dos. Tu n'auras pas d'équilibre, tu souleveras moins de c'est vrai. Alors, je suis là pour le pas les points, je vais c'est bien. Je vais sortir, mais... Moi, je les sors et je suis pris dedans. Voilà, je les sors. Voilà, parfait. Comment t'as fait pour la canne, là, Raphaël? Allez, encore, Raphaël. C'est bien. Lève la poulie. Hein? Lève le truc, lève-le. Comme ça? Ouais, mets le poids, là. On est en train de gérer. On est en train d'envoyer un super set, 17, 17. Ah, très bien, très bien. Très très bien. Allez, on y go. 1, 2, raf. 3. Allez, 4. 5, je prends 2 passes. Allez, 6. Non, mais là, c'est bon. Non, j'ai pas le 4. Ah, j'ai fait une là. Voilà. Allez, 9, j'en ai fait une. Encore. Ah, t'es passé juste avant Melchior. Ou avant lui. Après, nous, mec. Là, avant Melchior, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti, on y va. J'ai des pires de sortir aussi. Allez, c'est parti. Allez, 1. Parfait, 2. Ok, 3. Allez, 4. 5. 6. 7. Les coups de voilà. Coller, les coups de coller, même sur les coups de coller. Voilà. Mais vu, mais tu tires trop avec le haut du corps. Ce que j'allais lui dire, coups de coller, le bras tendu. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tiens, monte. En plus, on a la vidéo. Vas-y, monte-moi. Regarde. Allez Alexis. Tu vois, il y a un mouvement comme ça. Je sais pas si tu le vois. Tu vois, il y a un mouvement comme ça. En fait, c'est pas énorme, mais c'est vraiment léger, mais c'est quand même important, tu vois. Allez, c'est parti. Quand de léger, bah c'est important. Voilà. Tu es bien positionné. Gainé. 5, 6, allez, encore. 7, allez, 8. Allez, on tient le coup là, il en reste 4. Allez, 9. Okay. Allez, 10. On a tous fait 2 séries. Allez, encore. 11 et 12. On a tous fait 2 séries, le chat, c'est ça? Allez. Normalement,
Allez, derrière, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas derrière. Quand c'est comme ça, on fait une petite pause et on enchaîne sur la dernière, ok? Allez, c'est parti. Super. Allez, on enchaîne biceps. Ouah, allez, go. Allez, Rafkin, c'est parti. Moi, je suis en baiser, j'étais un peu comme avant. Allez, King Gale. Allez, c'est parti. On garde le coup droit. Une, deux. Écoute, tu dois pas bouger. Trois. Voilà. C'est un arabe. Cinq. Six. Les arabes, ils ont des biceps. Allez, huit. Connais pas le cliché. Neuf. Allez. Vous connaissez le cliché, vous? Voilà, on peut pas aller. Je connaissais pas ce cliché, moi. Ah ouais? Allez, allez, allez. Voilà. Attends, ben, c'est bien, les gars. C'est bien, les gars. On continue. Ok, super. Ok, ouais. Allez, Raph, on envoie la dernière. Oh putain, j'ai la tête qui tourne. Par contre, j'ai soif. Ah, j'ai vraiment la tête qui tourne. Non, les pouces, d'avance pas. Oh putain. Allez, deux. Non, elle avance encore deux. Non. On en fait trois ou quatre. Je pense qu'il en reste une. Sept. Allez, dame. La Céline, on est libéré. On va pouvoir s'envoyer un bateau. Toi d'ailleurs, je sais que tu arrives avec la tienne, tu vas t'envoyer des photos pour la peine, comme un enfant. Tiens, j'ai mis cadeau. Cadeau, papa. Allez, donc dernière série, on fait que 3 séries ici et pas 4, parce qu'on se retrouve en fin de séance. On se retrouve avec un super set qui est très demandant pour justement compléter cette séance et pouvoir la finir dans les meilleures conditions. Donc 3 séries, c'est suffisant, pas besoin d'aller plus loin. Ouais, c'est bien, bah oui, bien sûr. Allez, encore. C'est bien. Alors, biceps, c'est à qui les gars? Allez, mec, c'est parti. Là, le buste il reste droit. On bouge pas le buste, il y a tous les bras qui bougent. Allez, une. Ok, deux, parfait. Allez, trois. Quatre, voilà. Allez, cinq, et t'envoies les bras. Voilà, six, impeccable. Allez, encore sept. Allez, Alexis. Allez, Alexis, les coups de coulée, les coups de coulée, Alexis, les coups de coulée. Allez, neuf. Allez, on lâche rien là, allez. Allez, c'est les coups bien collés. Allez, colle, colle, colle. Voilà. 12 et 12, allez. C'est comme ça que tu vas étirer à la mort tes triceps. Okay. Allez, dernière. Ah, c'est dernière, parfait, là, tu vois, tes coudes ils bougent pas. À l'échec. Ok, bien. Les coudes ils bougent pas. Voilà, allez. Bouge pas, Alexis. Très voilà. Bien. Super. Ah mon dieu. Mais c'est déjà l'heure. Allez, encore. On reste droit. Il est quelle heure? Non, mais genre, c'est déjà l'heure de repartir. Voilà, bien. C'est rapide, après on fait les épaules et dos et gros. Bien sûr, on fait les épaules, après on fait les épaules. Oui, après on a élévation latérale frontale. Ah oui, élévation latérale, oui. Latérale frontale et c'est plus. Moi je suis KO, les gars. Il en a un pas. C'est pas des 3 ça, c'est pas des 6 kilos. Non, c'est du 60. Je suis trop fatigué, frère. Ah, Kim, c'est parti. Allez, on y va. 3, allez, 1. En full body ou speed ballon, c'est juste une petite séance haut du corps entre nous. Allez, 4. Donc c'est pas. Allez, 5. C'est pas une séance en mode. Allez, 6. Très bien. Spécifique du corps, c'est juste. 7. De l'ensemble, on fait un peu de. Okay. Allez, 8. De salle, et voilà. Allez. Mais là, on a fait. On a fait pec. Un exodo. Allez, t'en restes. Là, on fait les bras. Bras, triceps. Et on va faire épaules, on va faire des élévations à travers tout ce qui va. Allez, Raph, on enchaîne. Toi, t'as fait ta dernière série, Alexis? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, une. Ok, deux. Tu fais combien, Isabelle? Allez, trois. Allez, trois. Ouais. Allez, je fais. En 12. Je fais 12, 10, 8, 6. Et je fais encore, allez. Je pense kilos. Tellement voilà. Les deux, allez, les biceps, les biceps, ça fait mal. Allez, 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 encore, on lâche rien. Allez. Allez. Allez, 10. Allez, on est sur la fin là, allez. Ok, la congestion, elle est là. Il t'en reste deux petites pauses. On prend 10 secondes. Non, on n'a pas besoin de baisser, laisse la charge. On prend 10 secondes, quelques secondes et on y retourne. Lâche les bras. 1, 2, 3, 4. Et 5. Allez, on y va, il en reste 2. Allez, 1. Allez, congestion. Allez, fini, pousse. Allez, fini. Ok, prends pas ça. Attends, j'allais lui donner une ref manga, il allait pousser. Ah, je peux plus là. Ah, même moi, je suis KO. C'est pour ça que j'ai dit 3 séries, tu vois pourquoi? Un super 7, 1 minute 30 de repos là. Allez, 1. Allez, 2. Voilà, grave, c'est bien. 3.
c'est chaud, hein. Bon, vas-y, vas-y, allez, au moment où je finis ma série, là, on fait les épaules. Allez, 6. Allez, encore 7. Ouais, putain. Allez, 9. Allez, encore 10. Ah ouais. Allez, 11. Allez, putain. Hello. Les gars, impeccable. C'est pour ça que j'ai dit 3 séries. Vous savez très bien. Élévation latérale. Élévation latérale. Donc là, on part sur un dernier superset pour finir la séance. Donc là, en l'occurrence, c'est un biset parce qu'on se retrouve sur les deux muscles du même musculaire en fait. Donc on fait une élévation latérale plus frontale en enchaîné. Okay. Et puis, histoire de finir cette séance dans les meilleures conditions avec justement le superset qu'on va finir ici. Qui nous a bien tabassé. Donc voilà quoi. Ah ouais, élévation latérale plus frontale. Ouais. Là, en l'occurrence, on va prendre léger. On va se retrouver que 8 kilos maximum pour le plus chaud. Ouais, maximum. Ça, ça va brûler, moi je te le dis. Ça va brûler, gros. Il faut juste Ouais, vas-y, on va prendre. Moi j'y vais, moi. Moi j'y vais. Ça dépend qui a commencé là-bas, c'est toi ? Ouais, c'est moi. Ok, vas-y, on y go. Tu prends 6 kilos. Non, c'est trop. 4 ? Bah, tu me dis 4, moi je prends 4, frérot. 4, vas-y. Moi je te dis 6, bon, moi c'est chaud. On va voir comment tu te sens, si c'est bon, tu augmentes. Combien ? 10, 10, 15. 15, 15 ? Ouais. Okay. Allez, 1. Parfait, 2. Allez, 3. 4. 5. Sors ton buste. 6. Voilà. Et avance tes épaules, t'es trop vers l'arrière. Allez, 7. Allez, 8. 9. Voilà, c'est mieux. 10. 11. Allez, 12. Allez, encore 13. 14. Et 15. Ah. Allez, on passe au frontal, c'est parti. On enchaîne. Non, comme ça, en prise de pronation 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, pas de balancier, bah oui, 7, allez, 8, 9, allez encore, 10, allez, 11, 12, pas de balancier, allez, reste droit là, allez, 13, allez, 14, dernière, et 15. Bien. Oh là là. Allez, c'est parti. En fait, ça, je te jure, c'est pas dur à soulever. Ça brûle. C'est uniquement le but. Pour ça, on va faire un petit conseil à Alexis. Ça, je l'ai pas dit à mon cœur, je vous dis. Pour commencer, si tu sur au maximum les épaules sur les élévations latérales, tu vas mettre ton pouce au-dessus. Pour ton pouce, non, tu vas le mettre vraiment à l'intérieur. Voilà. La tête, tu vas la prendre comme ça. Voilà, exactement. Tu mets ton pouce au-dessus pour maximiser les tensions, la tension au niveau du deltoïde. Latéral, il faut justement maximiser les bénéfices, okay, ok. Allez, c'est parti, 1, parfait, 2, on reste droit, voilà, allez, 3, 4, 5, ok, allez, 6, bien, allez, 7, 8, voilà, on garde le rythme, la même technique, 9, allez, 10, 11, 12, allez, 13, 14, et 15. Pareil pour les frontales, on reste avec le pouce au-dessus et on y va. Allez, 1. Ok, 2. Super. Allez, 3. Encore 4. Voilà. Allez, 5. T'es bien droit, c'est bien. Allez, 6. Allez, 6. 7. C'est bien, garde le rythme. Allez, 8. Congestion là. Allez, 1. 9. Super. 10. Allez, 11. Allez, encore. 12. 13. Allez, 14 et 15. 14. Dernière et 15. Bien. Comment tu t'es senti ? On peut mettre un peu plus ? Ouais, on va plus. Ok, on va mettre. On va prendre le 6 juste ici. On va prendre le 6. Je pense pour Hakim aussi. Hakim passe. Raph, il va finir. T'as pris combien, Hakim ? 8. Tu vas fumer ? Ouais, 8 aussi. Allez, c'est parti alors. C'est ça la mentalité, les gars. C'est ça, là, je suis en dégressif. 15-15. Allez, 15-15, mon gars. Latéral, donc non, c'est facile. Pour les élévations latérales, on va mettre une pousse au-dessus. C'est pas le même. Pour maximiser la tension au niveau des. Je vais pas pouvoir peut-être le tenir bien. Allez, c'est parti. 1. Bien. Allez, 2. Monte pas trop. Monte pas trop. Après, t'as plus de tension. Allez, 3. Bien. Allez, 4. Voilà. 5. C'est bien. Allez, 6. Allez, encore. 7. 8. 9. 10. Allez, 11. Défends un petit peu tes bras. Voilà, 13, ok, 14, dernière, et 15, bien, parce que ton ouverture était un petit peu trop fermée. Allez, c'est parti, on y retourne. Tu veux faire la variante ? Moi, je la fais tout droit.
Comment ça, tout droit? Genre comme ça, la terre tout droit. Fais-le en frontal comme ça. Non, non, ça va être un peu plus dur avec celui-ci. Bien sûr, c'est pour ça que je t'ai dit que t'es sûr. Allez, on y go. Je fais les deux en même temps, je peux faire un bras par un bras. Les deux en même temps. Okay. Les deux en même temps, on est là pour maximiser la tension. Allez, 3-6. Il y a un 6. Allez, 2. Je suis en dégressif, je suis en dégressif. 3. Ok. Allez, 4. 5. 6. Allez, 7. Allez, allez. Allez, 8. Allez, encore. Allez, 9. Je peux pas. Ok. On va trouver le 6. On va reprendre 4. Il faut trouver le deuxième 6 par contre. Allez, c'est parti. C'était facile à 4? Ouais, mais enfin, c'était facile, mais genre, je pense que c'est super. Là, ils montent tous sur vide. Vas-y, je comprends. C'est pour ça que je t'ai dit vas-y. Allez. Ok, super actif. Il faut trouver le deuxième 4, le deuxième 6 par contre. Ouais. Allez. Tiens, le cœur, je vais te chercher le deuxième. En fait, c'est que la poignée, elle est grosse. Ah, c'est parti, on est parti avec 4. Tu prends ton temps, tu mets ton pouce au-dessus. Voilà, ah ouais, ouais, super, voilà. Pour maximiser la tension au niveau des latéraux. Et ensuite, tu envoies tes coudes vers l'extérieur. Pas trop haut non plus. Allez, deuxième. Voilà, parfait. Allez, 3. Ok, 4. Jusqu'à 15 comme ça. Allez, c'est parti. 8, 9, 10. Te balance pas en vrai? Ouais, reste droit, exactement, pas de balancier. 14, 15. Tu les prends? Au pire, je fais 8 et dès que j'en peux plus, je mets à 4. C'est 8 sur les latéraux, 4 sur les latéraux. Excuse-moi, ça reste beaucoup. Ouais, parce qu'on a plus sur les frontales si t'en as un peu plus. Franchement, je vais faire ça moi. Ouais. Parce que là, 6, ça reste vraiment d'être chaud. Donc on fait 8. Kilos sur les latéraux, donc les 15. Une. Allez, 2. 3. Le pouce au-dessus. Voilà. Allez. 4. 5. C'est bien. Allez, 6. Maximise la tension. Allez, 7. 8. 9. Fléchis un petit peu les bras. Fléchis un petit peu vers l'intérieur. Fléchis. C'est ça. Voilà. Super. 10. Allez, 11. 12. Allez. Là, retroussez les manches, t'as fait sûr. Allez, là. 14. Dernière. On retrousse tous les manches. 15. Non, on fait 10 avec 8 en frontal et les 5 dernières à 4 kilos. Allez, 1. 2, te balance pas. 3. Allez, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Allez, 4. Allez, c'est parti. Allez, 5. Ok, passe à 4. C'est parti. Les 10 à 4. On y go. Allez, 1. Parfait, 2, allez, 3, 4, oh putain, allez, encore, 5, ok, allez, 6, ok, 7, parfait, 8, allez, 9, et 10, les reps sont tellement durs, gros, qu'on peut se retrouver à kipper, on est obligé de limite. Ah ouais, allez, 5 minutes, balance. Franchement, sur les dernières, ouais, hein. Donc Alexis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 15 latéraux à 8 kg. Ouais. Et ensuite, en fonction de tout ressenti, on passera à 4 et sur les 5 dernières, sur les frontales ou les 10 dernières. Okay, en fonction de comment ça brûle. Donc toujours le pouce au-dessus, ouais. C'est parti. Allez, on y va. Après, il soit bien. Désolé de te déranger, je ne peux pas vous déranger pendant le live. Ouais, vas-y. Je voulais juste savoir, je comprends dire qu'en gros, quand tu enlèves le pouce, ouais. Tu le mets de l'autre côté de la tête, ouais. Ça maximise la tension. Ouais. Et je vais savoir en quoi ça maximise la tension. Vas-y, je vais t'expliquer. Vas-y, commence la chaîne. C'est parti.
Alors en gros, ça va cibler l'attention pour toi. Parce que quand tu vas te compris, justement, quand on a le de base, tu vas avoir justement un petit place dans les avant-bras, dans l'entrée en jeu. C'est bon, tu vas désarmer, tu vas engager, le focus unique sur les avant-bras. Ce qui est important, justement, c'est de rentrer ton pied à l'intérieur, comme ça, ça désengage les avant-bras. Les avant-bras ne sont plus engagés, tu vois, comme ça, et comme ça, ils sont plus engagés. Ça va te permettre uniquement d'avoir un effet de levier sur tes épaules, qui va te permettre uniquement de travailler sur le pied à l'intérieur. C'est vraiment unique, ça permet vraiment de Allez, 14, je peux plus là. Dernière, 15, allez c'est parti, frontal, allez 15 rep à 4, c'est parti, allez 1, allez 2, parfait, 3, la congestion elle est là, allez 4, super, allez 5, allez 6, pas d'excuses, on parle pas, 7, allez 8, bankai. Allez 9, allez encore. 10. Attends, faut que je respire 5 secondes. Allez, allez, petite pause. 10, on y go. On lâche rien. Allez. C'est parti. Allez, 11. 12. Ok. Allez, 13. Allez. Voilà. 14. Au minot dans le cas de Réjou. Dernière. Allez, dernière. 15. Ok, super. Donc là les gars, je sais pas si vous l'avez vu. Mais il y a un frérot justement de la salle qui avait besoin de conseils, qui avait justement un questionnement sur un aspect sur les élévations latérales. Donc j'ai pu lui expliquer ce qu'on va faire, je pense, à la fin du live. C'est une réponse aux questions dans lesquelles on va pouvoir échanger un petit peu justement si vous avez des questions sur ce qu'on a fait, pourquoi, etc. Et si vous avez des questions vous-même, que je puisse y répondre et qu'on puisse vous aider au maximum. Quoi. Okay. Allez, c'est parti. Et ce qui est bien justement sur cet exercice-là, c'est qu'on le fait devant un miroir. Le fait de le faire devant un miroir, ça nous permet justement de pouvoir se regarder dans les yeux et vraiment se motiver et savoir justement se remettre en question sur son mouvement et de voir exactement qu'est-ce qu'on fait mal ou non. Donc là, en l'occurrence, Raphaël, il se retrouve très bien ici, donc c'est parfait. Allez, c'est parti. Tu commences pas avec lui, c'est ça. Il est bien, à 4. Il est bien, Raphaël. Il est bien à 4. Laissez-le, frère. Feignant. C'est ça votre problème. Voilà. Ok, baiser sa série, frère. Tu vois, c'est ça, l'ego, n'écoute pas, repasse à 4. Y'a pas de soucis. Je passe à 4. Ah oui. Ils écoutent pas. Mais des fois, ils sont un peu des fois. Il faut que ça soit modéré. Parce que si tu te retrouves avec un ego surdimensionné qui peut être bien pour te surpasser, parfois la chute, tu vas tomber trop en fait. Tu vas tomber trop et blessure et remise en question. Ah merde, je suis qu'une merde, je pensais que. Alors que tu vois, t'as visé trop. C'est pour ça qu'il faut réussir à avoir modéré. Non, c'est la faute des haltères si j'arrive pas à la pousser. Allez, encore. Voilà, bien. Super. Ressenti, les gars, congestion c'est normal. Là, je suis un peu.
Je pense qu'on va faire, on va faire une dernière. Ah ouais, tu prends une troisième. On va faire une dernière série. Moi, je comprends. Pour vraiment maximiser tout ça, on en a fait deux jusque maintenant. Ah, moi, je suis trop en feu là. Ah ouais, c'est le but. Hein. Allez, dernière série, après on termine. Les bras, le tout. Juste qu'il manque un peu le dos. Ah ouais, ouais, bah oui. Voilà, c'est ça, on a pas eu le temps de bosser le dos. C'est vrai, c'est cause. Là, les épaules et les bras, là, là ouais, tu m'étonnes. Allez, mec, bien, mais bien, bien, honnête. Allez, c'est parti, les 15. Allez, 1, 2, allez, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, tu peux à la salle? Ouais, 9. On va par là après. Bien sûr. Allez, 9, 9. Allez, 10. 10. Bah oui. 11. Allez, 12. Allez. 10 mecs curly. Allez, 11. Ouais, je suis en 12. Allez, 13. Elle regardait la descente par contre. Contrôle la descente. 14. Fignant. Elle louche. 15. Ok, bien. Waouh. Wow. Ouais, je suis sûr que c'est toujours. Bien joué. Feignant. Feignant. On mène. C'est barré quand même, c'est grave. Allez, hein. C'est qui a mis un billet de 50 dans sa copine, ce téléphone? Ah ouais. Il y a un billet, ça va. Oui, il y a un billet, il arrive. Oui, la personne est partie avec des affaires, mais j'ai dit, on est aussi dans des affaires de revenus. J'allais dire Guillaume mon téléphone, mais c'est le live. Bien. Allez, c'est parti, on termine. Ah, moi, je suis content que ça soit fini après. Des abdos après, tu sais ou pas? Attends, viens, viens. Allez, si. Genre 7. Allez, 8. 9. Allez, on termine les gars, c'est la dernière squat, là je mange pas. C'est la dernière série. Comment ça Bah tu sais les quarts de squat qu'on faisait. Quarts de squat explosifs. Ouais, 100 je pense. Le ressenti des mieux récemment. Bah je les ai fait toutes les autres fois là. J'en étais 80, genre aussi je vais stabiliser une semaine pour voir. Là c'était facile. On va faire une chance en bon moment. On passe à 100. De toute façon, au prochain module, c'est ce qu'il y a du coup. Tu vas passer sur un peu plus axé sur comme vous allez voir les fractions. Donc je ne peux pas perdre de vue. Ok, on va bombarder ton dos. J'espère que tu le fais. Déjà juillet c'est une dingue. On va commencer quand même. Ah oui. Mais. Enfin des. Ça fait quand 6 mois du coup, c'est septembre. On a commencé le même 5. Allez encore. Je fais 13 et demi là. Je peux pas là. Je termine. En fait, la contraction est tellement. Ah, ça me fait mal. Ouais, bah oui. Je sais pas comment expliquer. C'est une contraction qui me fait mal au bras. Ouais, ouais. Allez, c'est parti, frontal. Allez, une, du coup, c'est quand, mec-cœur? Attends, j'entends pas, j'ai la musique. Non, 1er novembre, genre, à peu près. 6 mois, ça fera à peu près le 1er novembre. Ok. Ok. Il reste du temps. Ouais, mais je pense que ça sera fini avant. Ouais. Tous les objectifs, genre 10 tractions, 100 kilos et 20 kilos. 10 tractions? 10 tractions. Tu m'as pas dit 10 tractions. Ah, on avait dit 10 tractions. Tu m'as dit une fraction. Non, l'objectif, c'est moi, c'est 10 fractions. C'est beaucoup et ça dure.
Ah oui, c'est quoi ça? C'est 10 tractions? Ouais, bon, si j'en passe 5, moi je suis content. Mais c'est 10 tractions, okay. 100 kg d'essai, 20 cm de détente. Parce que je crois que je l'ai pas noté. Parce que c'est pas possible. Ah oui. Traction en 6 mois, logique. Je sais pas si ça part trop aussi. Non, mais j'ai vu loin exprès. Hein. Comme ça, si j'arrive à la moitié, je vais en accélère. Les modules, je les ai pas assez. Je vous ai pas assez intensifié. 10 tractions, poids de corps. C'était quoi la suite? 10 tractions, poids de corps, 100 kg d'essai et 20 cm de détente. Tu vas passer à 5 séances par semaine. Gimme, hey, 5 séances par semaine et on va te prendre sur WhatsApp. Tu vas avoir le suivi avec les coachs, tu auras des comptes à rendre. Gimme, hey, ça. Le dernier. Allez, ça. Allez, tiens le coup, les gars, tiens le coup. C'est le dernier survivant. Il est bon, il est bon. Ouais, il est bon. Il n'y a pas d'annoté. Ouais, écoutez, on est pas sympa. Nous, on est belle. Hein ? Nous, là. On a Fichy, là. Fichy. Lucas, il me dit que vous êtes à Saint-Paul. Hein ? Lucas, il me dit que vous êtes à Saint-Paul. Non, mais on va revenir dans pas longtemps. Ça va. Je crois qu'on les reverra pas. Moi aussi, mais. Ah, là, c'est bien. Voilà, encore. Faut qu'on se prenne à descendre, chef ? Toujours. Non, mais moi c'est pour Kingen. En fait, quand tu descends, il faut maintenir. Non, c'est pas pour moi, c'est pour Kingen. Moi je suis un professionnel, je suis sérieux. Romain, ouais. Ça va? Bon, ressenti de la séance sur 10. Franchement, très bonne séance, une séance intense. 10 sur 10. Sur 10, ouais. Bah, moi j'ai pas l'habitude de faire des séances full body, bah, haut du corps, complète. Moi je fais du PPL, push-pull legs. Bah, je suis plus push-pull que legs parce que je fais pas les jambes, mais là c'est une bonne séance, franchement ça change. Merci. T'aimes bien toi, t'as bien aimé la séance? Bah, c'est la première fois en vrai, ça fait un an, j'ai pas fait un body genre tout en haut. Il arrive pas à parler. Moi c'était dur. La vie c'était dur. Les gars, tu penses qu'à toi? Je pense leur avoir fait une dinguerie. On se retrouve justement avec une séance qui a été intensive, bah pour tout le monde en l'occurrence. Et justement, ça leur a permis de bien travailler sur tous les aspects. Et que justement, ça a été conséquent pour tout le monde. Donc j'espère que vous avez kiffé en soi. C'était une très bonne expérience, un très bon live. Comme d'habitude, moi je suis là pour maximiser les résultats de tout le monde. Exactement. Voilà, exactement. Là, je pense qu'il faut en parler, il faut qu'on reste ici parce que dès qu'on va descendre, la colle va tomber. Ah ouais. Donc, bien, on pose plutôt là-bas du coup. Ouais, on parle vite fait, après on fait un rangement. Ouais, Voilà bien. En vrai, pour les questions-réponses, en vrai, plutôt qu'ils t'envoient sur ton Insta. Tu veux? Ouais. Ouais. Monte ton Insta. Vas-y. Monte ton Insta et les modos, ils vont épingler. Ils sont présents? Il y a des modos dans le chat ou pas? Ok les gars, mon Insta, donc Winder Trainer juste ici. 3900, on atteint les 4000 abonnés. Donc je compte sur vous les gars, venez vous abonner. Du coup je commence justement à mettre du contenu assez fréquemment. Donc attends, chaque jour. Monte comme ça sur screen. De quoi? Vas-y monte, laisse le profil. Les gars, je vous laisse me rejoindre sur Instagram. Attends, deux secondes. Spicy honey de miel. Pourquoi il dit ça? Ok. Donc ouais, finalement voilà les gars sur Instagram, je commence vraiment à commencer à le développer assez rapidement, donc ça veut dire faites comme moi les gars. Faites comme Alexis les gars. Faites comme Alexis les gars sur Instagram, donc je commence à publier. Lucas, enlève ton modo. Assez fréquemment, donc c'est ça commence à bien se développer. Donc franchement. Vas-y carré. Je compte sur vous, rejoignez-moi tous là-bas, c'est parti. Voilà. Allez follow là. Vas-y. Je crois que j'aimerais inscrire. On fait un au revoir ici ou quoi? Vas-y les gars, moi je. Bon les gars, c'était lourd. Moi je live pas ce soir, voilà, à demain. Merci pour ce live. Merci. Bisous le chat. Merci pour ceux qui ont des subs. S'il y a eu des subs, je sais pas. Merci. Si vous n'avez pas eu de subs, vous êtes des rats. À demain le chat. Merci à tous les gars. Bisous. Lourd. Bisous. Relance Kamler, on verra ce soir. Inch'Allah, je relance ce soir. Faut couper, il faut.